Et bonjour, bonjour à tous. <laughs> Bienvenue sur le live. On va aujourd'hui un petit peu parler ben, des, de, de mes petites navigations. On va discuter euh, de plein de choses autour du monde de la voile. Et également, euh, on va revoir ensemble mes, mes trois dernières navigations. Et on va parler un petit peu peut-être du, du vent des Arctiques. Euh, qui s'est déroulé aujourd'hui. Voilà, donc écoutez, je regarde si tout fonctionne bien et je reviens vers vous dans une minute. Ok, re... alors, on est parti, écoutez. On va voir un petit peu, on va discuter ensemble. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. On va commencer euh, euh, par les premières navigations qui m'ont mené jusqu'ici. Donc, je vais commencer par vous montrer peut-être la carteau. Ça peut être intéressant. Hop, je prends la carteau. Les marées, ça peut être intéressant aussi. Euh, on va prendre d'abord ce point de grave. Voilà. Impeccable. Et euh, Windy, ça peut toujours servir. Voilà. Alors, écoutez. Première chose, petit, petit Google Maps. On va voir un petit peu. Pour ceux qui ont suivi, euh, vous allez le voir. Je vais reparler un petit peu dans les vidéos qui vont être postées par la suite. Pour ceux qui ont suivi, on est parti de l'île d'Oléron. Euh, le mois dernier, quelque chose comme ça. Et euh, j'ai fait plusieurs navigations qui m'ont mené jusqu'à la frontière espagnole quasiment. Euh, des grandes navigations, des navigations euh, de, pour la plupart de plus de 15h, 16h, 20h, des choses comme ça, même un peu plus. Donc dans des endroits que je connaissais pas et par, euh, par envie de partage et surtout par nécessité de, de précaution. Et vous allez voir que à, à certains moments ça, ça, ça a pu servir. Euh, j'ai voulu le faire avec du monde, voilà, des amis, de la famille. Vous savez qu'à bord de Savory, euh, de, de temps en temps, j'ai de la famille et des amis, typiquement euh, à la belle saison. Et donc, euh, du coup, c'était l'occasion de faire trois belles navigations. Je n'ai pas pu trop euh, vous capturer des images de tout ça euh, parce que on était dans un autre contexte que de, un contexte de navigation pédagogique. Mais euh, quand même, il y a, je vous ai fait des belles, il des belles, y a une magnifique navigation euh, dans l'estuaire de la Gironde, donc vers le phare de Cordouan. Hein, on va en parler juste après. Et, euh, et après cette navigation là, et ben du coup on se retrouve ici. Et ça m'embêtait un petit peu de ne pas vous tenir au courant, de, de que vous ratiez un morceau. On a quand même fait euh, ensemble sur cette chaîne depuis 5 ans. On a quand même bien fait. Je vais je vais mettre l'internet en même temps. Tac. Tac. Hop. Voilà, pour imager mes propos. On a donc quand même bien fait ben, de notre QG qui est euh, l'île de Léron. On est monté euh, deux fois jusqu'à jusqu Douarnenez. Donc jusqu'en Bretagne, jusqu'au Finistère. Donc ça nous a fait la Charente. On l'a vu en long, en large, en travers sur ma chaîne. La Vendée. La Vendée, on a vu euh, du bourgeonnais On a vu euh, du Saint-Gilles-Croix-de-Vie. De L'Île-Dieu. Donc, c'était aussi très intéressant. On en a en long, en large, en travers sur ma chaîne. Euh, on a vu après ces loires atlantiques Avec Pornic, l'Herbaudière, euh, le Piriac. Euh, on a fait aussi le Croesti, On a fait le, ba le Golfe du Morbihan. On a fait Quibron, à Liguin, on a fait la Trinité qui se trouve ici. C'est quand même une zone qu'on a fait euh, quatre fois puisque deux fois en montant et deux fois en descendant Groix, Lorient, on a fait aussi Concarneau, on a fait euh, Bénodet, l'Odé, remonter la rivière de l'Audé, euh, l'archipel de Glénan, Guilvinec, on a fait Audierne, ça vous avez pas d'image de Audierne mais je l'ai fait, euh, Douarnenez. Ça fait, hein, ça commence à faire un sacré parcours. Camaré, on a fait Brest. Brest Le Château. Brest euh, le moulin. Moulin, je crois, Moulin Blanc, un truc comme ça. On est allé dans Léorn. les Lé -Lé -Lé Elon. Comment elle s'appelait déjà celle-là? Hum... Comment elle s'appelle? Pourquoi il n'y a pas le nom? L'aulne. c'est celle du bas. Et celle du haut, c'est... Rivière de... Da non, c'était autre chose, non. Pas ici. C'est là, hein, ici. Et Lorne, et Lorne, et Laulne, voilà, c'est ça. Deux endroits magnifiques que je recommande. On a fait Wesson. on a fait la petite traversée jusqu'en Angleterre. Et donc voilà, tout ce chemin-là, on l'a quand même fait bien comme il faut. Et j'avais envie de découvrir, et eh ben, le sud, toute cette partie-là que je n'avais jamais faite de ma vie d'ailleurs, même euh, avant d'acquérir euh, Saori, quand j'avais fait des navigations d'habitables, etc., c'était plutôt du côté de la Bretagne. Mais euh, je n'étais jamais allé de ma vie là, ni même en voiture. Donc c'était quand même euh, totale découverte pour ma part. Et euh, j'ai trouvé que cet été se prêtait bien, à, enfin le, le ce, ce printemps, ce, 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 était de, de bon augure pour faire justement cette, cette traversée-là. Descendre jusqu'en bas. Et par la suite, cet été, vous allez voir que le programme va être encore très chargé. Voilà, que dire Écoutez, je vais vous présenter la première navigation. Je vais vous présenter directement euh, les. J'ai des photos des de, de naves. Euh, la première, ça va être. Celle-ci. Alors, attendez, il faut que je la capture. Fenêtre photo et là photo attends ça marche pas attendez deux, deux petites secondes Bah ben alors. Automatique, non Non bon, On va le faire autrement. à le faire autrement, comment je vais capturer ça Capture de fenêtre, simplement. C'est ce que j'ai fait. Si je fais par image... Hmm. On va faire par image. Hop. Alors la première, on va prendre celle-ci. Tac. Voilà. Où on voit bah, la route qu'on a effectuée avec la préparation, donc une préparation que l'on a, que l'on a vu, que vous avez vu du coup euh, sur la chaîne. Normalement, vous l'avez déjà vu. C'était juste avant que je parte à La Rochelle. On avait préparé cette navigation. Vous vous rappelez, on avait lu euh, tout euh, les, euh, le bloc marine concernant euh, l'estuaire de la Gironde, l'entrée, comment rentrer, le chenal nord, le chenal sud. <coughs> Je vais reprendre ça à côté. Chargeur, paf. Tac et tac. Voilà, impeccable. Donc on va reprendre par ici. Voilà, on avait vu l'estuaire de la Gironde qui était quand même le, le, la, la partie la plus coriace. Bonsoir à ceux qui arrivent dans le chat. Est-ce que tu as considéré naviguer sur la Gironde jusqu'à Bordeaux Alors euh, non parce que euh, j'ai n'ai pas eu euh, l'occasion ni l'intérêt d'y aller. Mais en tout cas, j'ai pu naviguer dans l'estuaire de la Gironde, voir une petite partie de, de la Gironde. Et, euh, et c'était très très intéressant. Après, euh, j'y suis allé par Petit Coef. Donc euh, je pense que pour ceux qui vivent là-bas, qui sont euh, de là-bas, euh, je pense que la navigation et qui connaissent bien les lieux et qui peuvent se permettre de sortir par plus, plus gros Coef, euh, je pense qu'ils doivent bien s'amuser. Donc nous y voilà, on arrive. On, a, on est donc parti de Oléron très simplement en faisant le tour d'Antioche et le tour de Chassiron. Classique. Euh, pour moi, c'est très simple. Pour vous, vous devez quand même vous méfier parce qu'il faut quand même prendre assez large. Une fois qu'on est euh, au large des côtes euh, ouest de l'île d'Oléron, il n'y a plus trop de problèmes. Il y a pas mal de casiers, comme d'habitude. Euh, Oléron, c'est quand même truffé de casiers. Donc euh, pensez à bien vous écarter si vous naviguez de nuit dans ce coin-là. Vous avez le phare de châssiron pour vous guider. Passez la cotinière. Passer le pont. De souvenir, on est allé très très vite. On était à plus de 7 nœuds de moyenne. Donc euh, c'était exceptionnel. On est, allé, on est allé beaucoup plus vite que d'habitude. Oui, je me rappelle de cette navigation. On a passé Montmusson. Après, ici, vous avez le phare de la Coubre. Merci à, à ceux qui m'avaient repris dans les commentaires. Le phare de la Coubre, donc, euh, qui euh, peut vraiment vous guider depuis largement à la pointe de Montmusson, qui est très facile à voir. Et est-ce que c'est pas là qu'il y avait l'antenne de Fou Furieux Ouais, elle est là, l'antenne. Euh, je crois qu'il y a l'antenne de 104 mètres. Antenne de euh, radio, là, l'antenne radio blanche et rouge. Je ne veux pas confondre avec le cap Ferret. Mais je crois que c'est bien là qu'il y a une antenne. Ouais, ouais c'est bien là. Ici, il y a une antenne radio blanche et rouge, mais qui fait bah, 104 mètres, qui est immense, immense et inratable. Donc, euh, beaucoup plus simple de jour. Comme euh, amer, donc comme, euh, comme point de repère, si vous avez une bonne visibilité, que le phare qui, sera, qui est beaucoup plus petit et qui sera euh, plus, plus intéressant de nuit, évidemment. Donc, voyez que petit retour d'expérience, c'est ça qui est intéressant. Au final, quand on passe dans cette zone, on a cette tour-là, blanche et rouge, qui est, qui est immense, ou oh, c'est peut-être celle-ci, 68 mètres Old Coast Guard Station, donc c'est pas ça. Nous, ce qu'on cherche, c'est une radio station. Vous voyez, comme vous pouvez utiliser Navionics, comme je suis en train de le faire. Vous cliquez, petit point d'interrogation, télévision. Voilà. Pour télévision, c'est celle-ci qu'on parle. Donc, c'est bien celle-ci, si vous voulez votre cap. C'est bien celle-ci qui est à 104 mètres. Voilà. Bon, une fois que vous avez votre cap, vous descendez tranquillement. Vous allez chercher euh, le chenal Nord qui est ici. Euh, si vous arrivez du nord, euh, clairement empruntez ce chenal. Toujours bien se méfier de cette zone-là où vous voyez qu'il y a des remous et euh, le banc de la mauvaise, hein, banche de la mauvaise, donc qui tient bien son nom. Voilà, après c'est c'est ch un chenal emprunté par des cargos, donc très large. Pareil au niveau des, euh, des petits conseils à ce niveau-là, de nuit ou de jour, vous voyez que tout est éclairé la nuit. Hein, il y a des petites euh, pastilles magenta, enfin euh, magenta, pas magenta là, mais verte et rouge. Et Magenta ici, ça veut dire que tout est éclairé la nuit. Si vous voyez la, la petite gouttelette là, comme ça, ça veut dire que ça brille la nuit. Donc, on reparlera de la navigation de nuit un peu plus tard. Euh, du coup, vous arrivez par euh, ce, ce côté-là du chenal. Et la meilleure chose à faire, vu que ici, il n'y a pas trop d'eau, il y a les, les bancs ici, vous voyez, qui peuvent gêner, etc. Et que ici, vous voyez qu'il y a beaucoup d'eau. Je vais essayer de peut-être agrandir Navionics, vu qu'on parle beaucoup de Navionics. Hop Vous me dites, hein, si ce n'est pas clair, si vous voulez que je fasse des pauses, que j'agrandisse, que vous ne voyez rien, etc. Que, vous... que si vous m'entendez bien, que tout va bien pour vous. Donc, je reprends. C'est la souris, je ne sais pas si vous voyez bien la souris. Est-ce que vous voyez la souris en fait Ça se trouve, vous ne voyez pas du tout la souris. Est-ce que vous voyez la souris dans le chat En tout cas, je vous explique à la voix. Euh. Ici, vous avez le grand chenal des cargos, et à toute heure, peut sortir ou venir des cargos. Sachant que j'étais quand même assez surpris de voir le peu de cargos qui circulaient dans cette zone. Je m'attendais à ce qu'il y en ait beaucoup plus, que ce soit un vrai trafic, surtout dans cette passe-là nord, et que les cargos s'enchaînent un peu les uns après les autres. Et en fait, non, des cargos qui vont à Bordeaux, peut-être j'étais dans une zone calme, hein, à voir... Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est quand même plutôt calme en trafic. Ça n'a rien à voir avec euh, le DST de Wesson ou, euh, ou d'autres endroits, ou euh, même, même Saint-Nazaire. Euh, la Palisse, c'est calme aussi. Hein. La, quand je dis la Palisse, c'est donc euh, la Rochelle. La Rochelle, au final, c'est assez calme. Il y a souvent des cargos au mouillage, mais c'est plutôt calme. Là où il y a pas mal de cargos, je dirais que c'est quand même Saint-Nazaire. Et surtout que maintenant, il y a le grand champ d'éoliennes aussi à éviter. Donc il faut passer entre le mouillage des cargos et les éoliennes ou alors faire un grand détour. Et euh, où c'est qu'il y a aussi beaucoup de cargos. Après, c'est vraiment là. Hein, c'est ici qu'ils sont tous. Hein. Là. Là, il y en a beaucoup, mais bon, là, c'est vraiment que quand vous traversez la Manche. Donc, c'est peu intéressant. Donc au final, le trafic des cargos, en tout cas dans la Gironde, est plutôt calme. Du moins à la période où j'y étais. Méfiez-vous quand même, regardez Marine Trafic, euh, la veille d'y aller ou quoi, voir un petit peu s'il y a des déplacements. Ça peut être intéressant ce que là où je voulais en venir c'est que pour emprunter au mieux ce chenal et je crois qu'on l'avait lu dans, dans, le, dans le bloc marine le mieux c'est de suivre de longer au sud des vertes donc de passer à l'extérieur du chenal en allant toujours au sud de toutes les vertes pourquoi bah parce qu'il y a beaucoup d'eau donc vous risquez strictement rien de deux vous allez de verte en verte donc vous suivez quand même le chenal donc vous avez à chaque fois un, un azimut Très simple à suivre, un cap très simple à suivre. Euh, et donc, euh, le à, à partir du moment où vous passez en dessous de, de ce chenal, vous allez être tranquille au niveau des cargos, même si deux cargos arrivent et, et doivent se croiser, vous êtes à l'extérieur du chenal en toute sécurité et, euh, et vous avez aucun problème à rallier soit Royan qui se trouve au nord, arrivé vers les dernières vertes, soit euh, port médoc qui se trouve au sud donc au sud vous allez le voir port médoc cet endroit là toute cette zone ici vous allez la voir dans les prochaines vidéos youtube puisque j'en ai fait euh, une petite sortie en navigation en solitaire qui était très agréable où euh, on, on papote et on profite un petit peu de cet endroit là ici vous avez le phare de cordouan toute cette navigation là normalement vous l'avez déjà vu, donc je vais peu m'attarder dessus en tout cas, en retour d'expérience, je vous ai parlé de cette grande tour qui est très pratique. De passer au sud du chenal qui vous permet d'avoir plein d'eau et d'être tranquille au niveau du trafic. Et après, une fois ici, méfiez-vous, le courant, il y en a quand même pas mal ici, à cet endroit-là. Là, ce, ce... Ben, forcément, entre le, le chenal sud, le chenal nord et euh, la Gironde, à cet endroit-là, il y a des petits croisements bizarres. Il faut se méfier. Il faut se méfier, il faut passer au bon moment. De, de, du, de la marée et avec des coiffes raisonnables. Voilà. Et coucou carambole. Par la suite, suite est-ce que j'ai des images D'autres images Ah, je peux changer ou pas Est-ce que si je change, ça change Je ne pense pas. Non. Hop, donc je vais vous mettre une autre image. Qu'est-ce qu'on a de cet endroit-là J'ai ça. Donc, vous voyez, bien vous écarter du banc de la mauvaise. Là, on avait des conditions idéales. Je vais juste ouvrir parce que je suis en train de mourir de chaud. Voilà. Donc, on avait vraiment des conditions idéales, ce qui nous permettait de caper, que ce soit au niveau du sens du vent, ce qui nous permettait de caper euh, exactement comme on le souhaitait, et au niveau du, de la vitesse. Donc, euh, pas de souci à ce niveau-là. On a pu raser, entre guillemets, l'endroit. C'est un petit peu la, la route idéale, je dirais que c'est quand même celle-ci. Hein, je ne vous la, l'ai pas montré. Voilà. La route idéale, c'est à peu près celle-ci. On a pu se permettre, même pour gagner un petit peu de temps, de passer, de passer encore plus proche, hein, puisqu'il n'y a, a aucun souci à ce niveau-là, si vous calculez, si vous regardez. Euh, quoi d'autre Au niveau de l'arrivée. Ça peut être intéressant de revoir ça, vu qu'on a avancé très très vite, et que j'avais pris beaucoup de marge pour l'arrivée. Vous savez, on avait regardé qu'il fallait arriver... Euh, euh, ça devait être avant la fin de la marée montante, je pense. Ou du moins à l'étal de marée haute. Et finalement... On a, tellement, on, a, on a tellement bien avancé qu'on est arrivé vachement en avance et on a pu profiter. Au contraire, vous avez on, on, vous, vous rappelez, on avait lu les deux possibilités dans, dans la préparation de navigation. C'était soit d'arriver vers la marée haute, soit d'arriver carrément de se présenter à marée basse et de profiter de la marée montante. C'est ça. Soit vous arrivez à marée haute pour pas voir le courant de face, donc à l'étale, soit vous profitez... Euh, et c'était d'ailleurs le choix numéro un conseillé dans le, dans le bloc marine, c'était d'arriver à marée basse et de profiter de la marée montante pour se faire pousser gentiment jusqu'à Port-Médoc. Cette, euh, cette attention, parce que dans, dans un cas, on l'avait vu, hein, dans un cas, vous allez avoir euh, du coup l'étal de marée basse. Mais quand vous allez arriver à Port-Médoc, bah forcément, ça, ça va prendre un peu de temps pour aller jusqu'à Port-Médoc ou pour Royan. Donc, vous allez faire votre manœuvre dans du courant. Donc, attention aux coefficients si vous faites cette, ce, ce choix-là. Puisque, forcément, si vous partez à l'étal, vous allez arriver soit dans les 2 12e, soit dans les 3 12 Après, il n'y a pas beaucoup de distance. Donc, je pense que vous êtes dans les 2 12e. Mais ça le fait. Hein. C'est exactement ce qu'on a choisi. Et ça le fait sans souci. Port-Médoc est un port très accessible, très facile de manœuvre. Et, et Royan, je n'y suis pas allé, mais c'est quand même un grand port. Euh, et donc on a, on, a, on a anticipé notre arrivée et on a pris la décision d'arriver à marée basse, à l'entrée du chenal, et de se faire gentiment pousser jusqu'au euh, jusqu port ici. Donc euh, vous voyez, on avait préparé les... Donc aucune surprise en tant que chef de bord pour ma part, puisque euh, j'avais préparé avec la marge maximale et les conditions pires qui puissent nous arriver. Sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de vent, donc le pire, entre guillemets, c'était qu'on n'avance pas, qu'on avance à deux nœuds. Donc euh, c'était calculé, c'était prévu, prévu. Finalement, on a eu un vent super, euh, et, et surtout très bien, dans un parfaitement au grand large, donc c'était impeccable. Et, euh, et du coup, on est arrivé avec beaucoup d'avance, ce qui nous a permis de faire le deuxième choix, et je n'avais même pas à me dire, je vais regarder dans le bloc marine, je vais préparer euh, au milieu après euh, X heures de navigation. À l'entrée du chenal, je vais commencer à gribouiller une autre stratégie d'approche. Non, elle était déjà préparée bien avant que je parte de Saint-Denis. Et au moins, j'avais juste mon plan A, mon plan B. Le plan A, finalement, il ben, n'y avait pas besoin d'attendre 8 heures dehors pour euh, respecter le plan A. Donc, on s'est dit, on va directement faire le plan B. Voilà. Et, et le, le, le choix a pris une seconde. Et la, la méthodologie qui en découle eh ben, est instantanée. C'est-à-dire, il n'y a aucune préparation en mer, etc. Puisque... Euh, évidemment, on vérifie toujours un peu ses marées, ses courants, etc., au dernier moment. Mais dans l'idée, tout était déjà préparé. Donc, arrivé à Port-Médoc, je vais vous mettre quand même des images de Port-Médoc, parce que c'était quand même super, très bon souvenir de Port-Médoc. Euh, j'ai rencontré, euh, j'ai fait des rencontres incroyables, hein, des gens adorables euh, qui m'ont reconnu, qui m'ont invité à bord, etc. C'était à plusieurs reprises et c'était vraiment euh, très, des, de très beaux échanges, comme à chaque fois. C'est toujours assez incroyable d'arriver dans un port et d'avoir de, et de, et de, et déjà des amis sur place. C'est vraiment la sensation que ça me fait. C'est-à-dire que j'ai des amis que je connais pas encore, mais qui sont déjà amis avec moi puisqu'ils me suivent et qui m'apprécient. Et, euh, et donc du coup, ben, ça fait des rencontres à chaque fois incroyable Voilà, le port, vous voyez un peu l'avant-port. Enfin, il y a un avant-port qui est au loin derrière. Et en plus de ça, au niveau du ponton euh, visiteur que vous voyez là, avec la belle Saori, il euh, y a euh, un énorme, une énorme zone pour pouvoir manœuvrer sans souci, etc. Je vous ai fait des vidéos également du port, de l'ambiance. J'ai fait un petit tour pour vous expliquer un peu les points positifs, les points négatifs. Il y a énormément de points positifs. Peut-être le petit point négatif de ce ponton-là, c'était euh, le fait qu'il y ait euh, l'escale le technique euh, collée. Avec le grutage, etc., en permanence. Donc, moi, je suis pas trop. Ça me dérange pas trop, les ponceuses, les trucs comme ça, etc. C'est pas ce qui me dérange le plus. Euh, parce que c'est des gens qui travaillent, etc. Et qui font ce qu'ils doivent faire, comme moi je l'ai fait quand je devais le faire. Donc, c'est pas vraiment des problèmes de comportement humain. Donc, euh, ça me dérange pas plus que ça. Et surtout que le soir, il y avait plus un bruit. C'était incroyable. En plus de ça, je vous spoil. Il euh, y avait euh, deux petits oiseaux qui nidifiaient, des petits oiseaux tout mignons qui nidifiaient juste à côté de Saori et qui, toute la journée, venaient se poser sur les deux balcons avant. Ils se faisaient la cour, ils se tournaient autour et tout. C'était trop mignon. Donc, euh, une place de choix. Est-ce que j'ai rencontré des abonnés Des abonnés, j'en ai rencontré à Saint-Denis, j'en ai rencontré à Port-Médoc, plusieurs, j'en ai rencontré à Arcachon. Et j'en ai rencontré encore une flopée là où je suis. Euh, hier j'en ai rencontré, aujourd'hui j'en ai rencontré, avant-hier j'en ai rencontré d'autres. C'est une dinguerie. <laughs> c'est assez incroyable. C'est que en ce moment, euh, c'est vraiment, c'est super. Et en plus, c'est des rencontres de, vraiment très appréciables. À chaque fois, on discute, on, on, on échange. Moi, j'en profite pour glaner quelques informations sur les lieux parce que souvent, c'est des gens qui sont, qui sont du coin. Donc, j'essaye de de, quand, quand je, vu que je prépare mes naves, etc., des fois j'ai quelques petites euh, petites questions, peut-être des choses qui m'interpellent un petit peu. Attends, je vais vous remettre ma tête. Voilà. Tac. Avec Saori. Ma tête est Saori. Voilà. Et donc, euh, bah, c'est super agréable parce que, comme je dis, moi, je, je, bah, ça me permet de vous rencontrer, d'échanger. Les gens sont super contents. il y en a Des, des fois, j'ai pris des des photos avec des enfants, avec toute la famille, les gens qui m'ont fait rencontrer la femme, les enfants, le truc, etc. Et c'est et touchant, c'est touchant, parce que typiquement, euh, je me rappellerai toujours euh, à, à Saint-Denis, des gens qui m'arrêtent sur les pontons pour me, pour me prendre, prendre en photo avec tous leurs enfants, qui étaient tous avec la petite brassière, etc., tout mignon et tout, mais c'est super c'est super agréable, ou des gens qui me montrent des photos de... Regarde... Euh, en grand écran, dans leur salon, euh, chez eux, avec euh, mes vidéos en, en fond, dans, le, dans tout, le, tout leur salon, et de les rencontrer comme ça, eux, ils sont super touchés parce qu'il y a ce côté assez incroyable du moment, parce que souvent, euh, vu que je ne dis jamais trop où je suis, en live, en direct, et ben, du coup, les gens euh, disent ah ben, tiens, qu'est-ce qu'il fait là quoi C'est souvent ça, en fait. C'est souvent. Euh sur le moment quoi il y a jamais rien de prévu il y a pas de re... j'ai encore fait jamais fait de rendez-vous avec les abonnés etc quoi. donc euh, du coup à chaque fois c'est sur le moment c'est en se croisant quand moi je vais au, euh, à la douche ou quand je vais faire mes courses que je sors du bateau et tout bah ben là d'un coup je tombe sur quelqu'un et, euh, et c'est vraiment et en plus tout le temps des profils différents des jeunes des moins jeunes des couples des gens en solitaire des gens qui vivent à bord des gens qui voyagent des gens qui louent Gens. Et donc, c'est hyper intéressant parce que je vois vraiment de, de toutes sortes de, de marins et toujours dans la bonne humeur, comme je vois sur le chat, c'est exactement ça. C'est vraiment toujours très accueillant et tout. Et, et je vous remercie tous, là, qui vous, qui vous reconnaîtrez, tous ceux qui euh, m'ont interpellé, qui m'ont gentiment échangé quelques mots avec moi et tout. Bah, je vous remercie. Je pense que vous avez aussi tous très apprécié ces moments-là. Hein. C'est vraiment des moments qu'on a partagé dans, le, dans, la, dans la joie des deux côtés. Hein. Mais voilà, donc c'était vraiment cool. Et là, voilà, comme je disais, tu me parlais de ce que j'ai rencontré des abonnés. Ben là, en ce moment, euh, en ce moment, j'en rencontre presque un par jour. Enfin, abonnés. Quand je dis abonnés, ce n'est pas des abonnés. Hein. C'est euh, des gens qui me reconnaissent parce qu'ils ont vu une de mes vidéos. Après, c'est pas forcément. Il y en a. Il y en a beaucoup qui me suivent et qui, qui ont vu beaucoup de mes vidéos. Et, et c'est très appréciable quand je les rencontre. Et il euh, y en a qui me reconnaissent parce qu'ils ont vu ma tête ou entendu ma voix une fois sur une vidéo. Voilà donc Port Médoc, merci pour ces belles rencontres, euh, ce bel endroit, je vous ai aussi filmé euh, les lieux un peu plus loin et tout, je vous laisse un peu des surprises, mais vous avez euh, vous avez des belles, des belles images de ce coin-là, vraiment. Est-ce que j'ai d'autres belles images moi de Port Médoc à vous proposer Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, hein, on est là, je suis là pour y répondre. Pour l'instant, on, on, ensemble, on, comme support, je vous, je vous pré présente un petit peu la navigation que j'ai fait. J'ai pas pas plus et on va partir sur la suivante. Donc, arrivé à Port médoc j'ai profité, je vais remettre euh, on va mettre ça. Euh, net, on va le mettre tout au-dessus. Voilà. Arrivé donc à Port-Médoc, je, euh, je, je, je me suis un petit peu reposé, j'ai bricolé avec Saori, etc. On a fait pas mal de choses. J'ai eu euh, mon frigo qui est tombé en rade. Donc, ça, c'était un petit peu embêtant parce que c'était juste avant la, la grosse saison chaude et tout. Donc, petite réparation de, de frigo où euh, on a dû remettre euh, du gaz à l'intérieur. Donc, et du coup, il remarche. Donc, j'ai pas à changer le bloc frigo qui coûte assez cher. Donc, je suis très content. Et par la suite, j'ai acheté pas mal de choses, dont je vous en parlerai un petit peu plus tard quand tout sera installé et fonctionnel à bord de Saori. Voilà, mais il y a pas mal de choses. Est-ce que tu as l'intention de faire de nouveau des vidéos tuto voile réglage nœud Alors, très bonne question. Je pense que pour répondre à ta question euh, le plus simplement, le plus honnêtement du monde, euh, ça se fera sur le moment en fait. C'est quand le moment vient. C'est parce que comprenez que pour faire par exemple un tuto voile, s'il n'y a pas de vent, c'est compliqué. S'il y a trop de vent, vous n'allez rien entendre et vous allez vous plaindre qu'on n'entend rien parce que je suis face au vent et que du coup, euh, on ne comprend rien. Donc. Les, 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 les vidéos sur les réglages de voile, par exemple, bah, je vais les faire quand les conditions sont optimales pour ça. Les nœuds, bah, je vais les faire quand euh, bah, j'ai un long bord, justement, peut-être au moteur ou quoi, et que j'ai rien à faire à ce moment-là, et, et rien d'intéressant à vous proposer comme euh, de, de, de navigation pure. Donc, du coup, bah, on va faire des petites vidéos sur les nœuds, etc. etc. Mais en tout cas, les vidéos euh, tuto ou pédagogiques, ou ce que vous voulez. Euh, ça, évidemment, il y en a, il y en a tout le long. Hein. Techniquement, chaque vidéo euh, est censée vous apprendre un petit peu quelque chose quand même. J'essaye de. À part certaines vraiment qui sont un peu plus euh, poétiques, mais qui sont très rares, euh, la plupart quand même essayent de. À quand une petite visite vers Dunkerque Ce n'est pas le même soleil Eh bien, sache que euh, Saori, mon voilier, quand je l'ai acheté, je vais vous remettre ma tête. Euh, tac. Saori, quand je l'ai acheté, il s'y présente. Euh, et ben, elle était immatriculée de Dunkerque justement. Donc c'est assez intéressant parce que imaginons qu'elle euh, elle était de, elle naviguait là où elle a été immatriculée. Et ben, le bateau a quand même fait de Dunkerque aux Pyrénées Atlantiques à la frontière espagnole. Donc euh... c'est Donc, cool quoi, cool. Je... Le bateau a fait tout le littoral français euh, Atlantique et Manche. Et moi j'ai fait de exactement de La bervrac qui est ici, là, de la Bervrac à là où on est présentement. Et euh, y retourner, euh, ce n'est pas prévu au programme tout de suite. Ce n'est pas possible, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu au programme. Bonjour, quel niveau de voile pour une première navigation avec femme et enfant Sortie journée, bien sûr. Alors, qu'entends-tu par euh, une première navigation avec femme et enfant et quel niveau C'est-à-dire, est-ce que c'est à partir de quel niveau de voile pour toi, si tu veux acheter un bateau et embarquer femme et enfants à bord, quel niveau il faut, je dois avoir Ou euh, comment faire pour faire une première navigation, moi, ma femme et mes enfants Ce qui est une question totalement différente, parce qu'il y en a un qui va prendre un jour et l'autre qui va prendre plus longtemps quand même. Installer un panneau solaire fixe, pas utile pour toi, je sais que tu en as un souple, il me semble. Alors, le souple, c'est vraiment une blague. Hein. C'est juste pour recharger euh, des USB, des prises USB. Donc, ça me permet de maintenir mon téléphone et euh, mon panneau solaire, euh, mon téléphone, ma tablette et peut-être mon enceinte, si je veux, euh, à full batterie quand il y a du soleil. Donc, c'est plus une question de durée de vie. Ça me permet, en plus de ça, j'ai des batteries euh, portables. Donc l'idée c'est que je puisse avoir en continu euh, de l'alimentation la, pour ma tablette et mon téléphone puisque si ma tablette marche plus j'ai mon téléphone et si mon téléphone marche plus j'ai ma tablette pour tout euh, ce qui est carte Navionics et autres. Euh, du coup, du coup, euh, du coup, j'ai pas bien compris encore ta question. À partir de quel niveau encore une fois c'est est-ce que c'est pour être toi chef de bord avec ta femme et tes enfants à bord et si oui j'en ai parlé dans la vidéo précédente qui moi je conseille vivement pour partir en mer en tant que chef de bord que vous soyez accompagné ou non vous devez de toute façon savoir au moins manœuvrer et, et amarrer votre bateau tout seul euh, j'avais conseillé dans cette vidéo là en prenant des, des précautions etc mais je conseille vivement de faire permis côtier bateau moteur Permis hauturier, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, chef de bord, FFV. Voilà. Et à partir de tout ça, une fois que vous avez validé tout ça, je pense que vous avez assez de base. Vraiment de base, hein, parce qu'il manque encore énormément de choses pour faire de l'habitable vraiment. Mais là, l'expérience vous le donnera sur le temps, hein, parce qu'il faut aussi vous donner... Euh, vous allez aussi acquérir de l'expérience vous-même. Mais euh, le, le, le ce, que, ce que je conseillais comme minimum euh, minimum syndical pour pouvoir se euh, lancer, euh, je, je, reco je recommandais vivement de faire au moins ça Jusqu'à quelle taille de bateau peut-on naviguer sans trop de difficultés en solo Voilà ça c'est à... tout dépend de votre niveau hein. Regardez euh, Tabarly il euh, naviguait avec euh, Pendwick euh, 5 en solitaire. Euh, le pour être monté sur le bateau il est énorme <laughs> il est énorme. Et, euh, et puis en plus c'est des bateaux un peu plus anciens avec des grosses baumes énormes avec des winches monstrueux et tout enfin c'est pas du de high tech en carbone ultra léger quoi donc c'est à tout à chacun ça dépend de votre niveau et puis on peut même prendre tout simplement l'exemple de François Gabart qui ou, ou d'autres hein, ils sont pleins hein. il, y a, il y a Thomas Coteville etc qui font le tour du monde sur euh, les trimarans ultimes en solitaire mais ils ont un niveau adapté à, 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 la, à, à ce bateau-là. Donc pour répondre plus pragmatiquement à ta question, plus simplement à ta question, puisque je comprends bien que c'est pas ça que tu m'as posé, euh, je pense que jusqu'à 32 pieds, parce qu'après c'est aussi une question de poids plus que de, plus que de taille. Parce qu'il y a aussi le poids qui compte, parce que le poids du bateau, ça va être aussi ce qui va faire son inertie, qui va faire l'air, qui va faire à combien il va falloir freiner avec le moteur pour ralentir le bateau, etc. Sans même parler de tenir le bateau à bout de bras, parce que ça, c'est une situation qui n'est pas censée arriver. Mais donc, ce n'est pas le but de savoir jusqu'à quel poids je peux retenir le bateau avec mes bras. Et en aucun cas ce, cette idée-là. Mais quand même, plus votre bateau est lourd, plus euh, les manœuvres vont être un petit peu plus. Euh, ben, de, demander un petit peu plus. Après, pour les plus grands bateaux, vous avez aujourd'hui les moteurs d'étrave qui, si bien utilisés, font clairement l'affaire, hein, qui sont quand même une grande aide pour pouvoir manœuvrer en solitaire euh, sur des grands bateaux, à passer, passer un certain passer 35 pieds. À partir de 35 pieds, je pense qu'un moteur d'étrave euh, peut grandement à, à vous aider. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, ils sont tous fournis avec. Donc, moi, je dirais jusqu'à 32 pieds, vous êtes tranquille, que ce soit en taille, parce qu'il y a aussi la hauteur du mât, il y a aussi euh, la, 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 le poids des voiles, il y a aussi... Euh, il faut un peu tout voir. Il y a aussi, est-ce que vous allez pouvoir, euh, si vous voulez faire vous-même le carénage, euh, bah, si vous prenez un 36 pieds, est-ce que vous allez à réussir à faire vous-même les deux passes de, ponce de poncer, plus euh, les deux passes de peinture Solo, compliqué quand même. Compliqué. Quand je vois l'état dans lequel je suis après Saori, euh, je ne me verrais pas le faire sur un 35 pieds. Hein, parce que vous rajoutez de la longueur, mais vous rajoutez aussi de la largeur. Hein. Et la largeur, euh, à la ponceuse, vous la, vous la payez, hein, parce que vous êtes en dessous du bateau. Et chaque 10 cm, vous le sentez dans les bras. Quoi. Je pars au Glénan. En Merci pour cette réponse. Permis côtier, hauturier et niveau FF4, FFV, euh, entre parenthèses, chef de bord. Parce que vous pouvez faire des niveaux 4 euh, moins. Enfin, qui vont voir des choses un peu poussées sur euh, les réglages, les manœuvres peut-être d'hommes de, 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 à la mer, même s'il faut en voir déjà avant, etc. Où ça va être vraiment de la pure navigation. Mais euh, le, le chef de bord il vous permet d'apprendre... Il est beaucoup moins manœuvre. Et il vous permet d'apprendre euh, la vie à bord, euh, l'avitaillement, les premières réparations, que faire en cas de détresse, en cas de danger, que faire si quelqu'un se blesse, que faire si, si, etc. Et d'ailleurs, je rajouterais, mais encore là, c'est vraiment personnel, mais je... Enfin, encore là, naviguer avec femme et enfant, même n'importe qui d'autre, pour moi, je l'obligerais. Vraiment, je, je pèse mes mots. Un, un PS mer, donc premier soin en mer minimum donc, euh, ou même des premiers secours euh, même à terre hein, vous allez faire un stage de premier secours mais au moins, au moins faire, si vous l'avez jamais fait et même si vous l'avez déjà fait faire un refresh avant d'acquérir le bateau et de refaire euh, les, 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 un petit stage de premier soin. ça peut c'est jamais perdu. Et, euh, et c'est très vite fait que quelqu'un s'assomme avec une baume ou se, se retrouve pas bien du tout, ou quoi que ce soit, ou, 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 ou de l'hypothermie, ou n'importe quoi. Il faut savoir quoi faire à chaque fois. Vous êtes chef de bord, vous êtes responsable, on vous en voudra légalement si, euh, si, euh, vous êtes parce que vous êtes responsable et si vous avez fait des bêtises, on vous en voudra. Et que je dis légalement, mais aussi au niveau des assurances, hein, ça va avec. Donc, euh, du coup. Euh, il est, il est Moi, je ne peux que conseiller de rajouter à cette petite liste qui, en soi, euh, permis côtier au ça coûte pas bien cher. Je pense que le, le, le combo, vous en avez pour 400, 500 euros. Bon, je ne dis pas bien cher, mais bon, c'est quand même ça. Euh, par contre, passer du niveau 1 au niveau 4, FFV, ça, ça coûte cher. Il ne faut, faut, faut pas se le négliger, ça coûte cher. Après, c'est parce que vous avez des bateaux qui sont entretenus. Parce que vous avez euh, l'expérience d'un moniteur, parce que vous apprenez des choses, parce que vous avez un niveau validé par la France à la fin, etc. Donc, c'est euh, même si ça coûte un peu d'argent, euh, ça reste une étape obligatoire. Et comparé au prix d'un bateau, ça reste quand même moins cher. Donc, euh, je, je vous conseille de dans, dans votre budget, euh, je veux partir en mer. Il bah, n'y a pas que le prix du bateau et le prix euh, du euh, de l ir euh, téléphone Iridium. Mais il y a aussi ben, peut-être la formation avant pour, pour vraiment être au top le jour J. Et encore, quand je dis au top, le jour J, après tout, tout ça, avec donc permis côtier, hauturier, FF4 chef de bord et premier soin en mer, vous êtes très bien armé, mais vous ne serez jamais à l'aise dès le premier jour. Hein. Il faut bien prendre ça en compte. Hein. Donc ce n'est même pas comme si je vous disais, j'étais en train de vous dire, faites plus que le, minima, que le nécessaire. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Enfin, je sais pas quoi, mais en gros, parce que si vous pouvez plus, c'est toujours mieux que euh, de faire le strict minimum. C'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. Moi, je vous dis que ça, c'est pour moi le strict minimum. Euh, je pars en stage, Glénant, j'ai décidé de faire un stage tous les ans. Là, je passe le CRR début juillet, donc ça c'est vraiment une, une formalité, le CRR, il n'y a aucun, aucun problème là-dessus. Est-ce que malgré les stages au Glénan, je dois passer mon permis côtier et hauturier Alors, techniquement, légalement, non. Légalement, non. A euh, voir euh, si les lois n'ont pas changé d'ici là, mais euh, je, pour l'instant, il n'est toujours, euh, euh, toujours pas obligatoire d'avoir un permis bateau côtier, donc ce qu'on appelle le permis bateau moteur côtier, euh, tant que la voile est plus puissante que le moteur. Voilà. Donc il faut faire les calculs, etc. Mais la, la loi, ça, de ce que je me souviens à l'époque, c'était que si euh, votre moteur principal et le plus puissant, c'était la voile, alors, euh, alors du coup, vous n'avez pas besoin de permis moteur. En revanche, en revanche, parce qu'il faut quand même dire que le permis moteur, au-delà de faire une petite manœuvre avec le, le bateau à moteur, euh, vous apprenez quand même euh, tous les panneaux. Entre guillemets, c'est vous apprenez le code de la route. Donc naviguer sans, c'est une hérésie totale quoi. C'est comme si vous, vous alliez sur euh, une, une sur en, en voiture et que vous savez pas différencier un, un panneau sens unique de sens interdit quoi. Donc euh, c'est exactement ça. Et des sens interdits en mer, il y a que ça. Les panneaux en tout cas qui, vous, qui sont ce qu'on appelle ce que je dis panneau vulgairement pour vulgariser mais tout ce qui est cardinal, bouée, marque spéciale etc. Tout ça c'est pour prévenir d'un danger euh, à part les bouées d'eau saine, mais sinon c'est forcément pour vous prévenir d'un danger qui peut le plus peut le moins. Mais je crois pas que c'était ça dans, dans ma parce que qui peut le plus peut le moins, c'est pas ce que je voulais dire moi dans ma phrase. Je connais enfin, je, je voulais parler de cette expression, mais ça, ça, ça servait pas à mon propos, je crois. Euh, donc, permis côtier, vous apprenez les règles de priorité que ce soit au moteur, à savoir que. L'hérésie, encore une fois, c'est qu'au permis côtier, on ne vous apprend pas les règles de priorité de barre des voiliers. Donc, à aucun moment, ça ne vous est enseigné et obligation de le savoir. Ce qui est quand même dingue. Les règles de priorité, c'est ce qui vous permet qu'il n'y ait pas de collision en mer. Et que, exactement comme en voiture, quand vous êtes à un carrefour, il faut bien savoir qui commence en premier, parce que si tout le monde avance en même temps, il se passe des drames. Ben là, c'est à peu près la même chose. Et les règles de, de priorité de barre à la voile ne sont pas vues au permis côtier, ce qui est pour moi assez incroyable. Donc, déjà, vous voyez les, euh, tous les signaux de brume, les, les signaux sonores, les feux de navigation de nuit, qu'on ne voit que là. Hein. Donc, si vous ne passez pas le permis côtier, vous, vous ne saurez jamais, à moins de bouquiner de votre côté. Hein. Mais euh, le permis côtier, c'est vraiment euh, extrêmement simple à passer. Hein. Extrêmement simple. Puisque. On va vous poser, euh, je me rappelle plus, je crois que c'est 30 questions. Je crois que c'est 30 questions et que au total, on peut vous poser quoi, 300, 500 questions maximum. C'est pas comme euh, le permis euh, voiture, où là, il y a peut-être 10 000, 20 000 questions différentes. quoi. Là, c'est tellement carré, la voile, c'est tellement euh, clair, net, précis. Tel bout, elle sert à ça, tel bout, elle sert à ça, tel signaux il sert à ça, etc. Il y a tellement peu d'exceptions, si vous voulez que des euh, finalement des, euh, des, des, euh, des, des questions qu'on peut vous poser lors de l'examen, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça. Ce qu'il faut, c'est connaître par cœur ce qu'on vous demande, quoi. Et, euh, et c'est assez simple. Donc après, il y a d'autres choses, hein. je ne vous ai pas tout énuméré le permis côtier, mais pour moi, euh, faire de la navigation de nuit sans avoir le permis côtier, c'est impensable. Et faire de la navigation côtière sans avoir le permis côtier, eh ben c'est impensable non plus, parce que vous allez voir une cardinale, vous n'allez pas savoir ce que ça veut dire. Donc euh, au moins pour les cardinales, au moins ça. <laughs> Donc euh, voilà, c'est pour ça que je reviens un petit peu là-dessus. C'est une question qui m'a été posée dans le chat. N'hésitez pas à poser encore des questions si vous en avez. Mais euh, je, voilà, je, peux, je ne peux que vous recommander vivement, vivement. Et vous allez voir que même après tout cela, bah vous allez avoir des, des interrogations, des, des choses à apprendre, etc. Et que le savoir est infini en voile. Et que vous allez en apprendre tous les jours. Mais que partir en mer sans connaître euh, bah, le permis côtier qui n'est pas obligatoire, mais qui ne peut être que du bon sens pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Quoi. Euh, au fait de, lire, de naviguer en solitaire, non. Par contre, il euh, y a des différences d'assurance de, selon euh, votre euh, zone de navigation. Si vous restez en France, espace Schengen, ou si vous traversez les océans, les assurances ne sont pas les mêmes. Il faudra mettre à jour un peu votre assurance. Quoi. Bonjour. Quelle taille de voilier habitable pour débuter à la voile, étant déjà possesseur d'une vedette de 30 pieds moteur eh ben, À peu près la même chose à voile, je pense c'est pas mal. Après, euh, moi, je peux pas vous donner de conseils comme ça brut enfin, on peut en parler si ça vous intéresse mais il faut que je connaisse les questions classiques c'est-à-dire où, où est-ce que vous allez naviguer votre plan d'eau votre plan de navigation euh, votre taille le nombre de personnes à bord euh, le nombre de jours que vous allez utiliser votre bateau à l'année etc 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 et du coup il y aura un bateau parfaitement adapté à votre situation mais pour ça il faut quand même un, un, une liste très détaillée de vos, de vos besoins sans même parler forcément de technique de navigation, de qualité de navigation, mais juste déjà, bah, même simplement votre, votre taille, quoi. tout simplement, ça peut jouer quoi. entre un bateau et un autre modèle. Donc euh, pour débuter à la voile, de toute façon, euh, moi, ma vraie, ma vraie réponse, c'est euh, allez, faites des cours de voile sur des voiliers habitables, et vous, du coup, vous testez. Moi, j'ai testé le Sunfast 32, j'ai testé le Sun Odyssey 32. J'ai testé euh, le, le pogo, le si, le ça, l'aile du four, le truc. Donc, au moins, vous en testez plusieurs. À chaque stage, si vous essayez de vous renseigner, normalement, les, les bateaux sur lesquels vous allez naviguer sont, sont exposés, enfin, sont présentés. Donc, vous voyez la, 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 le bateau et au moins, vous voyez si vous êtes assez à l'aise dans cela, si euh, 3 mètres de largeur ça vous suffit, si vous faut 3,50 m, si vous faut 4 mètres. Euh, s'il vous faut deux cabines, s'il vous faut trois cabines, s'il vous faut six, etc. Donc tout ça, pas de mieux que d'aller faire un petit cours de voile Ou quand je dis cours, ça peut être aussi, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente euh, qui parlait de, des équipiers et des chefs de bord, je vous disais que si vous n'avez pas envie de faire des cours de voile, vous faites du euh, taxi-boat ou euh, bourse à l'équipier, des trucs à l'équipage ou l'équipier, bourse à l'équipier, je crois ça s'appelle, des choses comme ça vous allez naviguer sur des, à chaque fois sur des bateaux différents et vous allez vous faire un avis. Vous allez pouvoir prendre la barre, euh, tester, faire prendre un riz sur ce bateau-là, voir la différence avec ce que c'est de prendre un riz sur un autre bateau, euh, le poids qui va définir l'assiette du bateau, savoir s'il est plutôt stable, si c'est ce qu'on appelle un veau, qui du coup euh, avance euh, beaucoup plus stable, peut-être euh, va être plus raide à la toile, donc on va mettre plus de voiles, mais du coup une navigation quand même plus cool qu'un bateau plus léger, ou à la moindre petit clapot, il va déjà un petit peu euh, surfer sur les vagues, il va falloir faire des réglages un peu plus euh, dynamiques. Donc, euh, voilà. Mieux, mieux commencer sur de l'occasion, il n'y a aucune raison d'acheter du neuf, hein, de toute façon. Vu le prix de l'occasion et le prix du neuf, il n'y a aucune raison, à moins que vous soyez euh, très riche, il n'y a aucune raison d'acheter du neuf. Je pense. Parce qu'il y a des très belles occasions, les, il y a tellement de turnover il y a tellement de bateaux qui ont été achetés et qui n'ont on, qu jamais navigué, il n'y a beaucoup de ça. Donc, euh, acheter de, je vous recommande d'acheter de l'occasion. Attention, jamais acheter de l'occasion ni à des euh, loueurs de bateaux, ni à des écoles de voile. Alors, attention quand même, méfiez-vous de ça, parce que ces bateaux-là, ils naviguent 100 fois plus que les autres, si ce n'est 365 fois plus que les autres. On rappelle que les bateaux naviguent en moyenne une journée par an en France. Une journée par an sachant qu'il y a des bateaux qui naviguent tous les mois, tous les, toutes les semaines, etc. Donc imaginez pour qu'il y ait une telle moyenne, combien de bateaux fantômes il faut. Voilà, donc euh, après, un, un bateau qui n'a pas navigué depuis 10 ans, ce n'est pas forcément mieux, soit au niveau du moteur, au niveau de, de tout. Donc, euh, donc voilà, euh, foncez sur l'occasion, il y en a trop pour passer à côté, je pense. Le turnover est dû à quoi Le turnover est dû au fait qu'on est en France, que la voile est très démocratisée, que les plus gros constructeurs de bateaux à moteur et de voiliers, sont basés en France, sous le grand... la grande marque de Beneteau, mais qui comporte Jeanneau, qui comporte un tel, un tel, un tel, un tel. Tout a été racheté, c'est une vraie, une vraie machine de guerre. Et du coup, aujourd'hui, ils sortent tous les jours, plusieurs voiliers par jour. Donc... Euh, et c'est exporté dans le monde entier. Voilà. Et en France, du coup, euh, bah, dû à cette... Euh, consommation entre guillemets sur sur fabrication de, de voiliers hein, pour, bah, bah, après bah, ils en vendent dans tout le monde hein, donc voilà c'est comme ça que ça fonctionne euh, bah, du coup y a, et no, les, les prix sont déjà pas trop chers et en plus de ça euh, après ben bah, le fait que les gens achètent et revendent leur bateau au bout de deux semaines parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont le mal de mer parce que des, et ça c'est en pourcentage vous ne voudriez pas savoir hein, parce que c'est quand même un, un, un petit pourcentage Juste ça. Des gens qui se sont dit, je vais me lancer, ça a l'air sympa, moi aussi je veux, faire, je veux vivre la grande aventure et tout, et qui pensent que c'est juste acheter une caravane et partir sur la route faire le tour de l'Europe. Là, vous faites 200 mètres euh, euh, un petit peu au, loin, au large du chenal, vous vous retrouvez pendant un mille et demi face aux vagues, auprès avec un mètre cinquante de vagues, bon, bah, ça en a calmé plus d'un. Juste ça. Des gens qui ne pouvaient même plus monter sur le bateau, quoi. Donc, avant de, de penser grand comme ça, pensez déjà à est-ce que tout simplement, comment vous allez vous sentir avec le mal de mer. Sachant que le mal de mer, pas avoir peur non plus, tout le monde l'a. Il est logique que quelqu'un qui vit à bord et qui part en mer régulièrement euh, n'a pas le mal de mer. Il est logique que n'importe qui qui ait vécu à terre 12 mois et qui prend le train ou l'avion et qui, euh, à peine sorti de la gare, monte sur le bateau et part directement face aux vagues, lui, il aura forcément la gerbe. Que ce soit un marin expérimenté, pas expérimenté, il y a vraiment cette mécanique naturelle qu'il faut comprendre, et que euh, le mal de mer, c'est quelque chose, j'en ai déjà parlé à chaque fois, mal de mer, c'est vraiment quelque chose qui se... qui, se, qui est, qui est le, un petit peu pour tout le monde, mais c'est à vous d'avoir les bonnes précautions, et n'importe qui peut s'amariner dans les meilleures conditions. Parce que le but, c'est juste de s'amariner. Attention à... Qu'est-ce que je voulais dire Attention quand même qu'il y a certaines personnes qui, elles, euh, ne pourront jamais monter sur un voilier ou sur un bateau en soi. Il y a, genre, dans, dans mon entourage, dans les... Euh, Peut-être 100 personnes et tout que je connais qui ont pu euh, naviguer ou qui naviguent, etc., j'en connais 3, 4, 5 qui euh, ne peuvent même pas.. Même sur le catway, sont déjà vaseux. quoi. Donc euh, c'est pour vous dire, au port le bateau amarré au port sont pas bien et, et dans l'impossibilité de partir en mer et c'est souvent des gens qui ont aussi le mal de le mal de la, des virages le mal de la route là le mal de voiture dans les virages en montagne ou euh, si ou ça voilà c'est des gens qui sont un petit peu moins euh, un peu, un, qui ont un peu des, des, des fragilités à ce niveau là enfin disons des, des sensibilités plutôt excusez moi à ce niveau là quel est le meilleur type de qui pour un habitable transportable Transportable. Hein Qu'est-ce que tu entends par transportable Habitable transportable, ça veut dire que tu mets sur une, une remorque Une remorque et que tu déplaces à l'extérieur Ah, Vincent, des bisous également. Je t'embrasse et euh, des, 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 mes salutations à, à la belle Oléron. Et salutations à Madame également. Donc, euh, ça me fait très plaisir de te voir ici. Bon, on continue. On continue un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, je vais boire un petit coup. Il fait très chaud. J'ai le soleil pile sur la tête depuis tout à l'heure. Et le pan pour répondre à ta question, euh, du coup, vu que c'était ça, euh, je n'ai pas trop d'expérience là-dessus pour pouvoir m'avancer. Euh, vu comme ça, j'aurais dit une dérive relevable, ce qui me permet d'être être le truc le plus logique, parce que c'est ce qui permet d'avoir quand même pas mal de dérives lestées, relevables, permet d'avoir un grand tir en dos, souvent il y a un grand tir en dos sur les dérives lestées, et, euh, et en même temps de pouvoir la relever complètement. En tout cas, quand je vois sur les escales techniques, euh, quand tous les bateaux sont à sec, c'est sûr que celui qui prend le moins de hauteur, je dirais que c'est la dérive lestée. Relevable. Comme ça, avec le winch. Mais ça demande, euh, encore une fois, c'est un domaine que là, pour le coup, euh, je ne me suis jamais trop posé la question. Donc j'ai pas réfléchi assidûment au sujet. Donc je te dis ça, là c'est vraiment euh, discussion de ponton, ce que je déteste faire. D'accord? Donc c'est pour ça que je précise à chaque fois quand, quand c'est un sujet que, que... Juste une question où je donne mon avis bête, comme ça. Euh, je préfère le préciser à chaque fois. Alors, on va reprendre notre navigation donc nous sommes arrivés à Port Médoc et la prochaine navigation parce que l'idée quand même c'est d'aller à la frontière espagnole sauf que pour aller à la frontière espagnole je vais vous montrer la carte là vous voyez que du sable 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 arcachon du sable 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 et encore du sable voilà. Et tout droit, complètement droit. Qui fait que, eh ben, il n'y a pas de port à mi-chemin. Parce que euh, les ports, comme vous pouvez le voir, pour celui-ci, pour celui-ci, et pour tous les ports de France, la plupart à part quelques exceptions, les ports sont tous, pour celui-ci, dans un petit renfoncement naturel. Vous voyez que ici, naturellement, là, il est protégé. Vous voyez que... Euh, on repart sur Port médoc Vous voyez qu'il est protégé par cette, cette bande là. Ici c'est protégé par cette bande là. Donc à chaque fois, on peut aller loin. On peut aller. Euh... Bon, d'olonne, Saint Gilles, c'est dans la, dans la ville, donc c'est encore différent. l'herbodière, tiens, L'herbaudière, vous voyez, l'herbodière, ils l'ont mis carrément bien protégé, etc. Donc à chaque fois, il y a moi la seule Vraiment, il euh, y a Pornic qui est vraiment posé au milieu de l'eau, qui là est tout neuf, donc euh, là ils ont eu euh, aucune pitié, <laughs> ils ont mis des blocs de cailloux de partout, ce qui est pas plus mal hein, en vrai. Mais, euh, mais disons que là c'est le seul où je connais pas de renfoncement particulier euh, naturel. Et il y a aussi bourgeonnais qui est un peu dans le même style. bourgeonnais qui est bourgeonnais c'est avant les sables. Ah ouais, là, c'est à marée basse, mais à marée haute, ça monte tout autour. Ah oh, vous voyez, à marée basse, le délire. En plus, il y a pas mal d'eau, je crois, quand même, pour rentrer ici. Donc, la fourchette est assez large. Donc, j'imagine que là, c'est quand même un, un gros coef. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, même lui, bon, lui, il est... Non, il est sur la plage, typiquement. Enfin, bon. À part ces, expéri... à part ces, ces deux... Euh, quelques exceptions là. Eh ben, les ports sont toujours faits dans des renfoncements naturels. Du moins, les ports historiques. Et, euh, et du coup, bah, n'ayant aucun renfoncement naturel sur toute la plage, et eh ben il n'y a aucun port. Voilà. Tout simplement. C'est comme ça. Salut d'Alsace. Salutations d'Alsace. Euh, du coup, eh bien, il, il va falloir faire avec. Donc, euh, le dernier port qui était disponible, ou le premier des Landes, on est encore en Gironde là, on est encore dans le département de la Gironde, mais on va dire le premier de cette grande forêt des Landes là, du Médoc, ça va être Port Médoc. Et du coup, à mi-chemin se trouve Arcachon, avant de descendre plus bas vers Bayonne, Biarritz, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, etc. Et Arcachon, bah, vous allez voir que c'est pas simple C'est pas simple il va falloir. Euh, on, va, on va longuement parler d'Arcachon aujourd'hui, parce que je vois qu'il est que 19h, donc on a tout le temps qu'on veut. Donc on va longuement parler d'Arcachon, ceux qui se posent la question, etc. Moi, je m'étais laissé la surprise. Je m'étais laissé la surprise. J'ai quand même préparé ma navigation au niveau technique, au niveau marin. Mais au niveau du décor, etc., je me suis dit, on verra, il y a une petite île aux oiseaux, etc. Je me laisse voir. Je me dis, ça soit c'est tout construit, industrialisé de partout et il y a des cheminées tout autour soit c'est tout mignon, tout vert, un petit peu style gobelet de Morbihan. Quoi. Après, en préparant ma navigation, j'ai pris un petit peu peur quand même au, le jour où je suis allé sur Google Maps pour vérifier un peu les bancs de sable. Vous voyez qu'on voit très bien les bancs de sable et tout, qui sont pas à jour forcément, mais quand même euh, qui, euh, qui donnent un bon aperçu des, de là où ça va être périlleux et là où ce sera plus calme. Euh, et donc... En zoomant un petit peu, bah déjà on peut voir que on peut voir à peu près ce que vous voyez là là, toutes ces traces de bateaux. Donc on peut imaginer beaucoup de trafic. Et après, en zoomant encore plus, on voit ça. Il ah, faut s'accrocher, hein. avoir le cœur accroché, je vous le dis. Ah, ça continue, ça continue. Ne croyez pas que ça s'arrête. Enfin, voilà quoi. Vous aurez compris, il y a beaucoup, beaucoup de batteurs moteurs. Et euh, du coup, bah, ça a été un petit peu la, la, la surprise de voir qu'il y avait autant de trafic de batteurs moteurs. Mais tout ça, vous allez voir, tout ça a, des ex... a une explication et a une suite logique et tout et tout. Donc, on va évoquer tout ça. Je pense que pour tous les, les gens qui compte un jour passer devant Arcachon. Je pense qu'à partir de maintenant, toutes les informations que je vais vous donner vont être assez intéressantes parce que c'est un retour d'expérience pur. Et, euh, et, euh, et du coup, c'est même pas de la préparation, c'est vraiment ce qui, ce qui m'est arrivé une fois sur place. Quoi. Donc pour la navigation, il y a quand même, euh, même 70-80 000, hein, je crois. Parce que je crois que de la bouée d'Ossen ici à la bouée d'Ocène là-bas, il y avait 60 000 en trace directe, je crois. C'est ça. Il y a 60 000 en trace directe entre la bouée d'ocène qui, qui signale l'entrée du chenal d'Arcachon, enfin de la passe, et la bouée d'ocène ici qui signale l'entrée de la passe sud, du chenal sud de la Gironde. Voilà, vous voyez, 57 075. À cela, vous rajoutez 12 000 ici et euh, 8 000 encore ici, donc ouais, à, peu près, euh, à peu près 80 000. À peu près 80 000, là, si vous faites en trace directe, évidemment. Merci, euh, merci le fait, ça fait plaisir de, de lire ça. Et, euh, et donc, euh, donc 60 000, euh, ben, si vous allez à 6 nœuds, c'est 10 heures. Si vous allez à 5, euh, c'est... Euh, je sais plus, j'avais fait tous les calculs, mais c'est plus. Et si vous allez à 4, c'est 15. C'est ça, hein, c'est 15 heures à 4 nœuds. Juste pour les 60 000. Donc ça faisait quand même une vingtaine d'heures de navigation. Donc on partait quand même presque sur euh, une, une nave de 24 heures. Quoi, en grosso modo, en prenant de la marge. Euh, donc enfin, une grosse navigation. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à du renfort. On est parti ici, que maintenant je connaissais bien, parce que l'estuaire, je l'ai fait euh, une fois en arrivant, une fois pour faire la nave. Donc je connaissais bien. Vous allez voir des, des, des vidéos là-dessus. Vous allez voir qu'on s'est baladé un petit peu entre les bancs de sable, c'était sympa. Euh, donc j'avais aucun souci pour la sortie puisque je connaissais bien, qu'on se faisait pousser par le courant puisqu'on partait à marée haute, on partait à marée haute à pleine mer, donc on se faisait propulser par le début du courant gentil pour aller dehors avec un maximum d'eau, donc c'est parfait. On est parti ici et après, euh, une fois sorti, je me rappelle qu'on est parti, il était 15h, 16h, la marée haute. Donc euh, on a fait notre sortie ici euh, en fin d'après-midi, début de soirée. Et après on a commencé à attaquer ce long bord le long de la plage. Bon, c'est assez classique, assez monotone, il y a deux, deux holographes au milieu là. Euh... Donc c'est plein sud, pas grand chose à dire. Euh, moi, je suis allé me reposer rapidement, puisque le but, c'était que je sois frais pour la nuit. Je ne sais plus si j'ai dû juste me reposer, je crois. Et par la suite, je vais vous montrer, je crois que j'ai des images quand même. Par la suite, j'ai fait toute la navigation de nuit, c'était le but. C'était ce qui était pré prévu, que je fasse toute la nav de nuit, qui était très sympa. Il euh, y avait un petit vent sympa et euh, ce qui était très intéressant sur cette navigation, évidemment impossible de vous faire des images de ça, il faut le vivre pour le croire, mais euh, donc au niveau des conditions de mer, ça allait, il devait y avoir un mètre, euh, un, mètre un mètre et quelques de, de, de houle dans le dos, donc euh, rien, de, rien de dingue. Petit vent de 10, 10, 15 noeuds, un truc comme ça. Donc, parfait, conditions parfaites, portant même peut-être il y avait peut-être un peu plus de 15 noeuds par moment. Et euh, arrive la nuit, arrive, euh, je vais vous mettre la caméra, je fais des gestes comme ça, arrive la nuit, arrive un gros nuage, pas méchant, mais tout plat, tout, tout plat, pas bien épais, vous voyez pas les gros cumulus qui font bien peur, mais vraiment une espèce de tapis sombre comme ça, qui arrive dans le tableau arrière de Saori. et qui passe petit à petit, plus la nuit tombait le crépuscule s'en allait, plus le gros nuage comme ça, il passait au-dessus de moi et arrive un moment où là au beau milieu de la nuit le nuage il prend tout le ciel le se trouve pile en dessous du nuage euh, et, et vous êtes au, le, le bord c'est les Landes donc il euh, y avait euh, c'est quoi c'est Lacano je crois qui euh... c'est quoi la cadeau il y avait la ville de Lacano qui qui éclairait un petit peu à mi chemin mais passé Lacano une fois la dans dans le dos plus aucune lumière à 360 degrés dans tous les axes possibles, mais plus rien. C'était incroyable. Mer noire, complètement noire parce que du coup, bah, plus, pas, de, pas de lune pour l'éclairer, pas d'étoiles ou pas de ce que vous voulez, et, et encore moins la côte. Côte complètement noire parce que c'est euh, la fin le début des Landes, mais en fait non, c'est la, la Gironde qui est là encore. C'est la côte de sable de la Gironde, donc pas une lumière de, 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 de pollution lumineuse entre guillemets. Et c'était d'une magie, c'était incroyable. Il y avait quand même un petit peu de vague, quoi. Il y avait 1 m 50 de houle. Et, et Saori qui filait, et ben là, je peux vous dire que pour ceux qui veulent, euh, encore une fois, qui parlaient de se lancer du permis côtier, est-ce que c'est important, pas important, bah ben là, je peux vous assurer que quand vous naviguez dans le noir total, que vous ne savez même plus où est le bas, le haut, le, le, la droite, la gauche, entre guillemets, hein, j'en en rajoute, mais c'est vraiment l'impression que ça donne. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus aucun repère, vous ne savez plus où est l'horizon. Vous ne savez plus où est la côte que vous longez depuis tout à l'heure. Vous ne savez plus où est le début du ciel, où est la, le début de la mer, et, etc. Que vous voyez derrière, devant, tout est, est identique et complètement noir, opaque. Et que en plus de ça, vous êtes dans une zone où il n'y a pas une cardinale, pas un phare, rien. Heureusement, il y avait, euh, il y avait un petit peu ce phare-là qui nous guidait. Et puis après, il y avait surtout ce phare-là. Rouge là. Comment il s'appelle Il a un nom celui-là. Antenne de Piraï. Iraignant. Bah, je peux vous dire que lui, <laughs> c'était la seule lumière dans l'obscurité que je voyais. C'était le phare et qui est parfaitement bien placé parce que du coup, grâce au cap, je savais si je me rapprochais ou pas de la côte. Mais euh, c'était la seule lumière. Il y avait une petite lumière rouge qui tournait de temps en temps, qui passait au dans l'obscurité totale. C'était hyper beau, hyper impressionnant. Mais n'importe qui qui n'a pas euh, l'expérience de navigation dans des, dans des nuits déjà un peu plus euh, éclairées illuminer avec savoir exactement, parce que des lumières vous, vous envoyez de partout, il y a des oranges qui clignotent, il y a des blanches, il y a des vertes, il y a des rouges, il faut savoir est-ce que c'est un bateau, est-ce que c'est une bouée fixe, est-ce que c'est un bateau qui arrive sur moi, est-ce que c'est un cargo mouillard, enfin est-ce que c'est un cargo, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, et tout ça vous posez des questions et vous pouvez pas vous dire bah je sais pas et du coup allons-y puis on verra une fois qu'on sera plus près on verra ce que c'est, ça ne marche pas comme ça la navigation de nuit il faut que chaque détail lumineux que vous voyez sur le plan d'eau, vous puissiez euh, faire sa correspondance avec qu'est-ce que c'est, dans quel sens, est-ce que ça bouge, est-ce que ça bouge pas, est-ce que ça m'indique le bon cap, est-ce que je peux m'en servir comme repère, si c'est un phare typiquement. Donc tout ça, c'est hyper important de, de, de le faire, de partir, avant de partir en mer. En plus de ça, vous voyez que toute la côte à cet endroit-là, elle est tellement droite, mais les fonds aussi sont assez droits. On voit que la ligne des 10 mètres là, c'est assez vertical. La ligne des, de fond des 20 mètres, c'est assez vertical. Et la ligne de fond des 30 mètres, c'est assez vertical. Et la ligne de fond des 50 mètres, un peu moins, mais ça l'est aussi. Donc, vous pouvez très bien, si vous avez même, par exemple là, typiquement plus haut, très peu de repères, parce qu'évidemment j'avais mes repères, j'avais mon cap, j'avais des choses pour m'en sortir, mais vous pouvez aussi naviguer au sondeur et vous dire que vous calculez, vous rajoutez l'eau de votre marée, évidemment, parce que ça, ce n'est pas l'eau en permanence, il faut rajouter à cela la marée euh, du, du moment. Mais vous pouvez grosso modo suivre la ligne des 20 mètres, la ligne de fond des 20 mètres, qui vous mènera tout simplement eh ben, à l'entrée du bassin d'Arcachon. Donc ouais, vous pouvez naviguer, c'est ce qu'on fait, ce qu'on qu peut utiliser en cas de brume, mais c'est bon, ce qu'on peut utiliser, voilà, si on doit naviguer à l'aveugle, entre guillemets. Ben, vous pouvez naviguer depuis l'intérieur du bateau. Alors, c'est un exercice, hein, ce n'est pas à faire, puisque vous devez faire votre visu 360, etc. Mais dans l'idée, on pourrait, si on a un cap, une vitesse, qu'on a le moyen de changer le cap et qu'on a le moyen de savoir notre vitesse, notre sondeur, on peut à tout moment ben, naviguer, les yeux, enfin, pas les yeux fermés, mais depuis l'intérieur du bateau. Quoi. Exactement le. le, le L'exercice le, que j'ai fait euh, dans, pour le Yacht Master, où il nous a fait naviguer, rentrer dans un port. On est, je vous le montre quand même, parce que c'était quand même pas évident. Ça, c'est l'exercice que j'ai fait. Euh, on était dans la rade de Brest, ici. Et vous voyez euh, les profondeurs hein, c'est 3 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Là, il y a 17, 20 mètres. Mais là, il y a 2 mètres, etc. Là, il y a plus 2. Et tout, et tout. Je me rappelle, on venait de sortir du mouillage ici. Et là, le moniteur me dit, bah maintenant, euh, tu vas rentrer à l'intérieur, parce que c'est une simulation de brouillard, parce qu'on ne peut pas, évidemment, créer du brouillard pour l'exercice. Donc, il m'a fait rentrer à l'intérieur. J'avais un de mes coéquipiers qui, euh, qui barrait et qui pouvait me donner euh, le, le cap et la vitesse du bateau et le, la profondeur. Et moi, de l'intérieur, avec la carte, je devais lui dire, bah, bah, fais-ci, pendant 30 secondes, tu vas au nord. Cap au nord, cap 270 pendant euh, une minute, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à 10 mètres. À 10 mètres, hop, on vire de bord, etc. etc. Et le but du jeu, c'était de me faire rentrer là-dedans, ici, port des cargos, quoi. Et euh, sans tricher, sans regarder par les hublots, etc., et ben, j'ai réussi à faire de. Euh, je sais plus, on devait être par là, à rentrer là-dedans juste en m'aidant des, des sondes de profondeur et tout. Donc c'est un bon exercice, très bon exercice, très intéressant à faire et du coup qui peut servir ben, dans des navigations toutes simples, toutes bêtes où il faut aller tout droit, euh, comme celle-ci où est mon voilà comme celle-ci où est mon avionics, il est là. Où il faut aller tout droit, ben, vous pouvez vous servir des lignes de, de, de fond. Également, attention, c'est pas parce que vous dites qu'il faut suivre 20 mètres qu'il faut suivre 20 mètres tout le long, parce que la marée monte et descend, on est en Atlantique, donc attention. Euh, que dire d'autre eh ben, Le moment où euh, le nuage, parce qu'il passait juste au-dessus de ma tête, mais il a, il a mis euh, 3-4 heures quoi, pour passer toute la nuit, et le moment où euh, le nuage est enfin passé, toutes les étoiles ont illuminé le ciel, c'était magnifique. Là, j'ai réveillé ma partenaire, mon équipier pour qu'elle euh, reprenne la barre. Et après, euh, moi, je suis allé euh, me coucher. À ce moment-là, après l'avoir briefé, etc., etc., euh, il y restait quelques étoiles, le cré... l'aube le, le, allait arriver. Et, euh, et de toute façon, de là à là, il euh, n'y a, a rien. Il n'y a strictement rien, quoi. À part ces deux bouées-là. Il y a quelques casiers au début. Donc, quitte à euh, vous écarter peut-être que la ligne de fond des 30 mètres, si vous devez naviguer de nuit... Vous donnera un peu plus de, de sérénité que la ligne de fond des 20 mètres. Bon, les casiers, il y en a qu'au début et qu'à la fin. Parce qu'après, c'est tellement loin, il n'y a tellement rien, aucun port, que les mecs vont pas faire 3 heures de neuf pour poser un casier. Donc, euh, il, y en a, il faut se méfier, il y en a surtout au dé à, la, à la sortie du chenal, là, banc des olives, etc. Par là, même là, hein, ils vont les mettre super loin quand même. Hein. Donc, il faut faire quand même gaffe. Et, euh, et pareil pour euh, ici, euh, même s'il y en a quand même moins des casiers hein, devant Arcachon. On arrive à Arcachon. Moi, je fais, euh, je, je fais une courte sieste parce que le but, c'était pas non plus que, que je fasse un quart plein, quoi. Le but, c'était juste que je me repose un petit peu pour être en forme. Donc de mémoire, je, je dors pas grand chose. Et euh, on arrive donc cap ferré donc il y a le cap qui est ici avec le phare rouge qui nous a guidés toute la nuit. Et on arrive, on longe, on longe, on longe, on longe, et on arrive à la bouée d'Außen. Enfin. Destination, il était 8h du mat. 8h du mat, ça faisait déjà euh, 2-3 heures qui faisait jour, enfin en tout cas qu'il y avait qu l'aube et tout. Donc 8h euh, du mat. Et l'entrée que j'avais calculée en préparant ma nave, c'était 13h30, les amis. Donc euh, c'était calculé, hein. je savais que je partais à 15h euh, euh, de Port-Médoc, et je savais que pour entrer, il fallait attendre 13h30. Donc. Euh... Il fallait pas se presser, mais <laughs> on a bien avancé et du coup on est arrivé très tôt à, à Arcachon et du coup ça donne quoi ben, je vais vous le montrer en image. Normalement je l'ai quelque part. Euh, image, image, image. Attendez, j'essaie de le retrouver. Alors, ça, c'est la nave. Donc, euh, voilà, on a emprunté le chenal sud. Comme je vous dis, on est parti, on a longé quasiment les 20 mètres. Grosso modo. Après, selon euh, l'inclinaison du vent, des fois, il était plus intéressant de, de, de se rapprocher de la côte ou alors de s'écarter un petit peu. Et je vais mettre, parce que j'ai en plus gros, bougez pas. Tac. Euh, ça. Voilà. Et Voilà. On s'est amusé à ça, mince, j'ai annulé. Euh... C'est celui-là? Non, c'est pas celui-là, ça, c'est la sortie d'Arcachon. C'est pas celui-là? Je ne vois rien, attendez, j'essaie de grossir. Ah, il est là. Hop, voilà. Et eh bien, écoutez, l'intérêt de naviguer à deux et pourquoi j'ai fait tout ça... C'était dans le simple but, et eh ben, de si on arrivait euh, trop tôt ou qu'on ratait la passe, c'était aussi un, bon là c'était pas le cas, mais dans l'idée où euh, on n'arrive pas à la bonne heure, ben, il fallait pouvoir faire des allers-retours, il fallait pouvoir attendre gentiment, sachant qu'il n'y a pas une seule bouée, il n'y a pas une bouée entre euh, ben la Gironde et encore il n'y en a même pas dans, trop dans la Gironde et, euh, et l'Espagne quoi, il n'y a pas une seule bouée, c'est Saint-Jean-de-Luz je crois la première bouée. Donc, Saint-Jean-de-Luz depuis Port-Médoc, ça fait, ça fait une trotte si vous voulez vous accrocher une bouée. Donc, comprenez bien que là, vous êtes coincé dehors, entre guillemets. On avait des conditions délicieuses. Le matin qui se, qu se levait petit à petit, c'était parfait. Et donc, eh ben on a fait une heure dans un sens, une heure dans l'autre, une demi-heure dans un sens, une demi-heure dans l'autre. Ça a permis à l'équipage ben, d'alterner les siestes et de bien se reposer, notamment moi, qui, euh, du coup, est arrivé, je suis arrivé tout frais à midi 30, parce qu'on a anticipé l'arrivée d'une -heure, heure, à midi 30, on est passé, euh, et moi j'étais tout bien frais, tout bien réveillé, et je venais de pas de me taper 24 heures de navigation, ce qui aurait été le cas si je l'avais fait en solitaire. Donc vous comprenez bien que l'idée de pourquoi je, ces genres de navigation-là, ben, je l'ai la, je fait en duo, c'est typiquement ben, pour ce cas-là, où si on, je dois attendre de 8h à 13h en mer, ben, je suis content d'avoir quelqu'un à qui lâcher la barre. Puissent parce que c'est pas qu'une question de barre, parce que la barre je mets le pilote et puis euh, c'est bon, mais c'est une question de surveiller le, le plan d'eau, la visu à 360 toutes les minutes et indispensable euh, en voilier euh, de, de jour comme de nuit. Et, euh, et, et du coup, bah pour ça, voilà, ça m'a permis de, de prendre mon petit repos tranquillement et euh, d'arriver tout frais pour. L'arrivée justement des passes, parce que l'arrivée des passes, c'est le moment le plus délicat. On va en parler un petit peu. C'est le moment le plus délicat. Pourquoi Parce que, euh, bah comme vous le voyez, je me rends compte, même si j'en avais une petite idée, mais même si j'avais mis la carte Navionics, je l'avais mis à jour avant de partir, exprès. Ce petit carré-là, je l'avais mis à jour pour que c avoir les inf dernières informations de cette carte. Et ben, euh, elle n'était pas du tout à jour. Donc, euh, comprenez que toutes les cartes étaient fausses. Puisque, euh, on l'avait lu, non on ne l'avait pas lu, on ne pas préparé cette navigation, mais comme Montmusson, comme la Gironde, et comme, euh, et comme Arcachon, les trois, il y a des bancs de sable, les bancs de sable, ils bougent, et donc du coup le balisage bouge. Donc dans ces zones-là, il est primordial de respecter absolument le balisage et de ne plus regarder son GPS, sa tablette, d'accord Parce que sinon vous allez foncer dans le sable, vous allez foncer dans un banc de sable. Même si vous mettez votre tablette à jour et que vous dites ma carte elle est à jour, je l'ai mise à jour juste avant de partir, c'est bon. Il n'y a pas un mec qui tous les jours redessine les bandes de sable sur Navionics pour les remettre comme il faut. Quoi. Donc c'est très important, vous voyez très bien ici, on le voit bien, je ne peux pas le grossir encore. On voit bien que là on passe sur l'estran, on passe sur les bandes de sable, on passe sur tout. Et on ne passe pas du tout dans le chenal qui est ici. Et donc, ça, moi, il fallait que j'aille un peu les idées claires pour me dire bon, il faut bien que je suive le chenal, c'est bien ça, tant pis pour la carte. Parce que, bon, vous êtes dans 15 mètres d'eau, tout va bien, mais après, plus vous avancez, vous voyez, 7 mètres, 5 mètres, 4 mètres. Bon, ben, bah, dans 4 mètres d'eau, il faut être sûr d'être dans la bonne direction, avec le banc de sable, il n'est pas juste en face. Je lis un petit peu vos commentaires. Bonsoir, Saori. Toujours des superbes vidéos. Je rêve de naviguer un jour. Entre temps, je regarde vos vidéos et ça m'inspire encore plus. Keep up the good work. Gratz de Belgique, merci beaucoup, merci, ça fait toujours très plaisir et eh ben je suis content de, moi je suis toujours très content de, comme je disais je vais culpabiliser un petit peu mais je suis toujours content de de véhiculer cette cette envie de de, de... de... de naviguer parce que c'est quelque chose qui se transmet de, de marin en marin, moi d'autres marins me l'ont me l'ont transmise cette volonté là, euh... bon en plus l'expérience etc, le fait que je naviguais depuis petit mais euh... Mais quand même cette volonté de vraiment de partir vivre en, sur un habitable en tout cas c'est clairement des choses qui sont un peu euh, transmises de, de, de marin en marin quoi cette, 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 on, on partage un petit peu ce, ce bonheur qu'on vit et du coup on, on, on invite les gens à vivre un peu la, la même chose donc c'est logique voilà maintenant si vous suivez bien toutes mes vidéos vous savez que la route est longue avant de euh, mettre à l'eau votre bateau et d'être d'en devenir le chef de bord je suis obligé maintenant, je vais, je vais forcément me répéter à chaque fois parce que euh, c'est trop pour les raisons que j'ai expliquées en long, large, en travers dans les deux dernières vidéos. Est-ce qu'une navigation en solitaire, d'ailleurs elles vous ont plu ou pas ces, ces deux vidéos Parce que je trouve qu'elles ont été plutôt bien reçues. Je n'ai pas eu de commentaires euh, désagréables. Donc je suis assez content de voir qu'on peut discuter ouvertement et que ma, ma sincérité et que, ma, et que le, mon libre parler... Ne vous dérange pas et au contraire, ça, ça, vous, ça vous parle. Même si, bon, j'ai pris des pincettes, j'ai eu des mots euh, gentils, etc. J'ai pas non plus été euh... trop violent. Est-ce qu'une navigation solitaire longue de nuit comme Port-Médoc-Arcachon est-elle légale Comme tu le dis, il faut garder une visu 24, mais c'est pas possible tout seul. Alors, euh, il faut savoir que professionnellement, si vous devez euh, convoyer des bateaux ou. Euh, ou quoi que ce soit, ou quoi que ce soit de professionnel, euh, il faut. Vous ne pouvez pas faire plus de 24 heures seul sur un bateau. C'est donc pour cette raison-là, suis... il y a... a la lumière de fou. Vous voulez que je mette. Attendez, c'est quelque chose. Le soleil Ah, voilà, mieux. Donc, euh, je disais quoi Je disais que pour les professionnels, légalement, ils n'ont pas le droit de faire plus de 24 heures seuls. Ce qui fait que, vu que les convoyages, il y a beaucoup de convoyages qui durent plus de 24 heures parce que le bateau, il doit aller le plus vite possible d'un point A à un point B. Donc, s'il doit faire les sables dolonne brest le gars qui fait faire convoyer le bateau, il va pas lui dire, bon, bah, tu t'arrêtes toutes les 24 heures pour, pour te reposer. quoi. C'est pas le but. Donc, les gens qui font du convoyage... Euh, les, les skippers qui font du convoyage sont toujours en galère de monde pour venir bah, tenir la barre le temps qu'eux ils se reposent pour pouvoir faire leur sable d'Olon Brest d'une traite en tant que chef de bord, etc. Mais avec du monde à bord, donc c'est pour ça renseignez-vous il y a énormément de, 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 de skippers qui font des convoyages de bateaux qu'on ont besoin de monde, beaucoup, beaucoup. Ils sont même en galère, donc euh, c'est pour ça que je dis que c'est très simple de naviguer en tant qu'équipier. Et vous pouvez très bien faire euh, les Baléares, euh, vous pouvez très bien faire euh, euh, le, aller aux au Canaries ou des, des, des naves, des grosses naves, même ouais, aller jusqu'au Cap Vert ou des trucs comme ça. Ça, ça se fait, ça se fait beaucoup. Euh, donc, pour le reste, donc, pour eux, ils ne peuvent pas faire plus de 24 heures et techniquement, un, un, un bon skipper et tout, il est censé pouvoir tenir à peu près 24 heures sur son bateau sans, sans, sans tomber, quoi. Euh, par la suite, pour les plaisanciers, etc. Euh, donc, on doit faire une visu 360 toutes les minutes. Et il y a une dérogation de la loi, carrément, pour euh, les gens qui sont en solitaire, parce qu'on considère qu'ils ne peuvent pas le faire autrement. Et donc, il y a une dérogation pour eux. Et c'est pour cela que... On recommande aux gens qui dorment en solitaire dans un voilier de dormir 20 à 30 minutes et d'enchaîner des, mi des micro-siestes. Parce que euh, vous pouvez euh, bah, vous relever, vérifier le plan d'eau, etc. Et en 30 minutes, sur un voilier de, de ce style-là, on va pas non plus... Euh, ce n'est pas des IMOCA. Donc, il y a ça. Maintenant, à cela, vous devez coupler... Pourquoi moi je l'ai toujours pas fait C'est parce qu'à bord de Saori n'est toujours pas installé ni un émetteur-récepteur AIS qui permettrait... D'une, de récupérer la position, le cap et la vitesse de tous les bateaux voisins, avant d'aller me coucher, et de savoir lequel sera peut-être en route de collision, si oui, dans combien de temps, etc. Et émetteur, pour pouvoir émettre ma position, pour que les gens, les gros bateaux pêcheurs, euh, bateaux cargo, etc., tous les gros bateaux, qui ont un AIS, euh, vont pouvoir me repérer et en cas, euh, m'éviter, si besoin. En tout cas, ils me verront sur la carte. Donc, ça, c'est les deux choses. À cela, vous pouvez coupler un merveille, ce qu'on appelle un merveille, qui va du coup euh, sonner au moment où l'antenne qui est reliée au, au boîtier merveille se fait scanner par un radar. Donc, il y, a les radars, il y a les radars également. Donc, après, je vais en parler des radars. Les radars, c'est vraiment le au-dessus de tout parce que c'est ce qui coûte le plus cher c'est ce qui consomme le plus c'est ce qui demande une installation de dingue etc donc enfin euh, de dingue qui demande encore une installation euh, et du coup c'est juste un, un radar qui va scanner devant vous d'accord donc à choisir je recommande vivement de prendre un AIS émetteur récepteur que un radar même si l'un ne remplace pas l'autre donc vu que l'un ne remplace pas l'autre moi j'aime bien le coupler avec un Merveille qui, du coup vous n'allez pas avoir de radar, vous n'allez pas vous scanner euh, autour de vous, mais par contre, si vous vous faites scanner par un bateau de pêche typiquement, euh, et ben là, ça va sonner. Et du coup, vous allez vous réveiller et vous savez que dans quel camembert à peu près se trouve le bateau, et vous savez euh, et, vous, et donc ça bip à fond et au moins vous, vous esquivez la collision. Donc si vous avez, moi je, je pense mon avis personnel, avant de dormir seul en mer. Je trouve que un émetteur-récepteur AIS couplé à un Merveille, c'est pas mal. Je dis ça, il y a énormément de gens qui partent en solitaire avec juste une VHF. Hein, attention, donc, euh, donc encore une. Moi, je vous donne mon exemple, l'exemple que moi je suivrai, mon propre conseil. Je vous partage, je vous partage mon propre conseil. Maintenant, euh, voilà, je sais que ça, ça, ça va sûrement faire bondir des gens qui naviguent depuis longtemps en solitaire et qui n'ont jamais eu. Ces équipements-là à bord. Voilà. Aujourd'hui, ils existent. Euh, le merveille, c'est 300 balles. Donc, c'est vraiment pas grand-chose pour éviter une collision. C'est vraiment rien comparé au prix et au, et au problème d'une collision en mer. Et, euh, et l'AIS, émetteur-récepteur, on parle quand même d'environ de, euh, 1000 euros, disons, grosso modo. C'est un peu moins si vous avez des, des bonnes offres. Ça peut aller jusqu'à 600 euros pour les premiers prix. Mais euh, ça coûte cher, mais encore une fois, bah, ça, sauve des, ça sauve des bateaux, ça sauve des vies, ça sauve. Ça sauve. Donc, euh, ça sauve même les vacances, quoi, tout simplement, en fait. Hein. Sans même parler de vie, de trucs dramatiques ou quoi que ce soit, euh, le fait de ne pas rentrer dans un bateau, ça peut sauver les vacances. Donc, euh, euh, donc voilà. Donc, pour l'instant, ces, ces équipements n'étant pas installés à bord de Saori, il euh, n'y a pas de, de dos en solitaire plus est il faut quand même avoir une hygiène de rythme de sommeil assez assez assez, assez. voilà il faut savoir quand même se, se faire des siestes de demi-heure etc régulièrement et tout moi je l'ai jamais fait donc il faudrait peut-être que, que, que je le fasse dans des bonnes conditions au début avant de me lancer en allant très loin et après à cela et vous évidemment vous pouvez rajouter un radar qui lui va scanner devant vous je pense que c'est que de, je ne sais pas si c'est tout autour peut-être tout autour de vous et euh, oui, tout autour de vous. Et là, vous avez une mire avec euh, votre bateau au milieu et tout ce qui, est, tout ce qui peut euh, apparaître sur le, sur le radar apparaîtra. Ça fait quand même... Il va falloir alimenter l'AIS constamment. Il va falloir alimenter le radar constamment. Ou du moins, quand vous en avez besoin. Euh, ça, ça fait quand même pas mal d'électricité. Donc, il va falloir penser peut-être à avoir un parc de batteries adapté, à avoir euh, de quoi recharger les batteries, etc. etc. Donc... Euh, L'un entraîne beaucoup de choses. Donc, euh, au final, on parle juste de sécurité, de dormir en mer une demi-heure. Et à la fin, on se retrouve à devoir changer les batteries, à devoir mettre des panneaux, à devoir faire ci, etc. Donc, le bateau, c'est vachement. Il euh, y a vraiment une continuité. Et à partir du moment où vous voulez toujours pousser un petit peu plus, ben, il va falloir que euh, toute la chaîne se mette en place et que tout soit impeccable de A à Z. Et vous ne pouvez pas vous arrêter au milieu en disant bon, ben, j'ai fait les choses à moitié, et du coup, ça suffit. Euh, Qu'est-ce que j'ai J'ai des images un peu pour vous montrer. Donc voilà, bah on a galéré tout simplement hein, de 8h à midi. C'était pas non plus euh, la, la pire des situations. On faisait des bords au travers euh, dans une mer qui était pas très formée. Donc euh, du coup, euh, c'était vraiment très plaisant. Moi, j'ai pu me reposer tranquillement. Je savais que deux jours, euh, mon équipier pouvait voir quoi que ce soit sans souci. Euh... Et après, on est rentré. Donc là. Est-ce que j'ai euh, je vais vous mettre direct navionique je pense que ça sera mieux. Tac tac. Euh... Voilà. Euh, donc là, bah, ne sont pas dessinés les, les bouées. Parce qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on voit là. Là, on en voit une là, on en voit une là. Mais en vrai, il y en a beaucoup plus. Plus, on envoie voit une là. Donc il y a des portes. Sinon, je mets Google Maps. Attendez, ça va être encore mieux. Voilà, on voit parfaitement. Donc l'entrée, écoutez, il faut se placer à la bonne heure. Donc à savoir que, euh, à vous de vérifier euh, de votre côté, hein, mais de, de mémoire, parce que j'ai quand même bien bossé le truc, vous avez la marée de Arcachon qui a une certaine heure, d'accord et vu que de la, mar la plage de Arcachon, du port de Arcachon à la Passe-Nord, parce que la Passe-Sud n'existe plus, à la Passe-Nord, euh, il y a, on a dit, 8000. Il y a, a ouais, 8000, donc ça fait à peu près deux heures, d'accord Et il faut savoir que deux heures de navigation. Mais par contre, au niveau de la marée, il y a une heure de décalage entre la marée haute, ici, et la marée haute, ici. Une heure de moins ici. Donc c'est hyper important. Pourquoi Parce que nous, ce qu'on va vouloir avoir, c'est assez d'eau pour passer euh, le début du banc qui est ici parce que là où il y a le moins d'eau, c'est typiquement c'est là. C'est à l'entrée du chenal. Donc euh, juste à l'entrée du chenal quand vous passez, il y a une bouée verte, une bouée rouge, deux une porte parce que là elles y sont pas hein, mais euh, normalement est ce qu'on voit les portes. c'est un bateau ah là il y a une rouge et là il y a une verse. Donc vous voyez là il y a une porte. Et cette porte-là, ça doit être la toute première. Ça doit être la toute première et c'est là où il y a le moins d'eau. D'accord Et avec, pour vous donner un exemple, à 2,50 m. Euh, Moi bon, je ne sais plus quel jour on était. Euh, on était en mai. Enfin, bref, à 2 ,50 mètres 50 m d'eau de marée, en hauteur de marée, en plus du zéro hydrographique des cartes, on avait 5 mètres d'eau. Donc c'est pas énorme. Quoi. 5 mètres d'eau, il euh, faut, faut bien viser au bon endroit. C'est largement raisonnable pour passer euh, au centre du chenal, hein, 5 mètres. Mais méfiez-vous quand même que il euh, y, y a quand même peu d'eau ici et après c'est vraiment tranquille. Après, vous rechoppez 10 mètres d'eau, 8 mètres, 9 mètres d'eau jusqu'à la fin. Euh, quelle est la meilleure, période pour, la meilleure période pour faire cette traversée Est-ce qu'on parle de la traversée de, du, justement du, euh, du chenal Parce que si c'est le cas, on, va, on, on y vient justement. De la passe. Donc la meilleure période, là vous suivez le bloc marine, hein, c'est tout écrit, je vais vous le lire. Mais déjà, prenez en compte que quand c'est pleine mer ici, on est à une heure de la pleine mer ici. Déjà, ça c'est quand même important à savoir le décalage. Estuaire de la Gironde, Royan, pardon, médoc, Bassin d'Arcachon. Alors, c'est écrit en toutes lettres, c'est tout simple. À quel moment doit-on sortir du bassin Pour la meilleure. Alors attendez, je vais mettre ma tête. Hop. Et là, je vais virer ça. Non, ça. Voilà. Donc vous prenez votre bloc marine. Vous allez à la page, à la page Bassin d'Arcachon. Pour la meilleure période, se présenter au niveau des barres de la passe nord, au moment de la pleine mer des passes, une heure avant Arcachon. C'est là que s'établit une coûte, courte période de calme relatif. Donc, au moment de la pleine mer, une heure avant. Parce que, euh, au moment, donc, vous devez arriver une heure avant la pleine mer. Ce qui donne la pleine mer de, de la passe, de la sortie de la passe, il faut bien comprendre ça. Et après, vu que c'est la pleine mer, après, le bassin va se vider. Donc, vous allez être contre le courant. Alors, on est contre le courant. On est contre le courant, ouais, c'est ça. On est contre le début du courant. Donc, vous, vous êtes dans les 1/12e, 2/12e, le temps de rejoindre le port et encore une fois, chaque fois qu'on passe en entrée à pleine mer, c'est qu'on va arriver dans les deux douzièmes, dans les trois douzièmes, donc vous allez arriver dans Arcachon, dans le port, à manœuvrer avec du courant. Hein. Surtout s'il y a des coefs. Ok Et pour sortir, euh, pour pratiquer... Attends. Euh, à quel moment doit-on rentrer dans le bassin Ah non, ça c'est sortir. Attendez, attendez. À quel moment doit-on rentrer dans le bassin Pour pratiquer la passe d'entrée nord, se présenter environ 1h30 avant la PM des passes, donc 2h30. Voilà, c'est ça, ça me paraissait bizarre. Ça me paraissait bizarre. Donc, je, on reprend, on reprend, on récapitule. Pour rentrer dans Arcachon, à partir du moment où vous êtes ici, à l'entrée, à la bouée d'ocène, d'accord, l'entrée, la ATT ARC, cette bouée d'Oscène, elle va vous dire que vous êtes devant les passes. À ce moment-là, il vous faut. 2h à 2h30 d'anticiper. 2h30, c'est le mieux. Par rapport à la pleine mer d'Arcachon. C'est exactement ça, en fait. Il y a beaucoup plus de logique. Donc, 2h30, pleine mer d'Arcachon. Ce qui veut dire que, vu qu'on enlève une heure, 1h30, pleine mer de la passe. Et du coup, vous êtes à 1h30 de la pleine mer. Ça veut dire que pendant 1h30, va encore monter l'eau. Et donc pendant 1h30, vous allez profiter de cette 1h30 pour de, ma, de marée montante pour continuer à monter jusqu'à le port d'Arcachon de, de, qui est à peu près à 2h. Donc c'est parfait. Donc c'est exactement ça parce qu'au moins vous allez vous retrouver pile comme il faut à vous faire pousser par la fin de la marée haute gentiment. Donc prenez en compte 2h30 avant la pleine mer d'Arcachon pour rentrer dans la passe. Voilà. Et au contraire, pour en sortir, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, pour en sortir, c'est une heure avant la pleine mer. Donc là, il faut aller euh, une heure avant... Attendez, c'était... Se présenter à la pleine mer. Une heure avant Arcachon. Donc c'est ça. Donc en gros, c'est à la pleine mer des passes. Donc c'est une heure avant la pleine mer de Arcachon. Parce que si vous ne prenez pas cette heure-là en compte, et que vous partez à la pleine mer de Arcachon, le courant, ben il est déjà en train de se vider. Donc ça va encore, ça va encore, parce que ça se vide, donc vous êtes dans le bon sens, mais il faut faire gaffe toujours à la, à la barre de sable à la fin, parce que là, si vous partez pour deux heures de navigation, et que vous partez Ricrac, il faut vraiment pas partir Ricrac pour cette raison-là, c'est que si vous partez, vous faites vos deux heures de navigation, vous n'avez pas anticipé l'heure de décalage. Plus vous avez pris une petite heure de, de rab pour que tout le monde aille aux toilettes, etc. Vous partez une heure après la pleine mer. Le temps d'arriver, il y a déjà une heure de décalage. Et là, vous allez peut-être vous retrouver coincé au banc de sable à la fin. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire marche arrière parce que, euh, enfin, vous pouvez difficilement faire marche arrière parce que tout le bassin est en train de se vider. Donc comprenez qu'il va falloir être très rigoureux. Sur l'heure de départ à Arcachon et l'heure d'arrivée à la arc Là, c'est 2h30 avant la pleine mer d'Arcachon. Et là, vous partez d'ici absolument pour la pleine mer ici. Donc, une heure avant, plus deux heures pour y aller. Donc, trois heures avant la pleine mer alors. 3 heures avant la pleine mer d'Arcachon vous partez d'Arcachon comme ça vous avez vos deux, deux heures de navigation plus l'heure de décalage et au moins quand vous passez ici oh, le moment où c'est vraiment chaud ben c'est pleine mer et les courants s'inversent voilà j'espère que j'ai euh, bien expliqué c'est pas évident enfin c'est pas évident et assez. il faut comprendre déjà le décalage entre la pleine mer de d'Arcachon et la pleine mer des Passes, une fois que vous avez cette heure de décalage et que vous la mettez dans le bon sens il faut comprendre que pour rentrer il vous faut encore une heure et demie de marée montante pour gentiment rentrer et se faire pousser à l'intérieur et à la sortie vous pouvez, euh, si vous prenez un peu trop de marge et vous vous dites on sortira avec le courant et que vous arrivez à mi-marée euh, mi -marée, marée basse, ben peut-être que vous n'allez pas pouvoir sortir voilà, ça dépend du coef, ça dépend de beaucoup de choses. Rappelez-vous, on en avait parlé. Euh, vous avez ici le sémaphore du Cap Ferret, qui se trouve pile ici, euh, qui peut euh, par téléphone ou par VHF vous renseigner à tout moment de l'état euh, des, des passes. Alors quand on dit qu'ils peuvent vous renseigner à tout moment de l'état des passes, c'est si vous êtes dans des conditions délicates où il y a du vent, où il y a des trucs ou quoi que ce soit. Vous pouvez appeler pour savoir l'état des passes. Maintenant, les appeler pour savoir, euh, vous leur donner votre tirando et qui calcule pour vous si vous pouvez sortir ou pas. À la VHF, pas top. Encore, si vraiment vous voulez avoir une double confirmation, vous pouvez très bien les appeler au préalable au téléphone. Au moins ça ne dérange pas le, tout le monde. Mais appeler une fois sur l'eau à la VHF en disant, alors mon bateau il fait 9 mètres, il fait 1 mètre 40 de tirando, euh, est-ce qu'on passe Voilà, ça c'est pas terrible. Pas très marin mais en tout cas ils peuvent y répondre ils ont une visu sur le plan d'eau je vais vous montrer les photos quand même parce que c'était quand même cool j'ai il y, y aura une petite vidéo hein, sur arcachon et il n'y a pas de navigation mais il y aura euh, vidéo de présentation du port et il y aura euh, bah, une petite balade à la dune du Pila quand même, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Moi, je m'y attendais rien de cette dune. De loin, elle est impressionnante, mais elle est euh, comme on l'imagine. Quand je dis de loin, c'est depuis la mer ou depuis. Euh, voilà. Mais de dessus, c'est quelque chose. Hein. C'est quelqu'un quand même, la dune du Pila. Hein. Et puis, c'est beau. C'est vraiment beau. Hein. Donc, euh, je vous le conseille à, à tous si vous êtes dans le coin. Euh, franchement, c'est assez exceptionnel comme 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 panorama. C'est quand même euh, pas tous les jours qu'on voit ce panorama-là. Donc petite photo. Qu'est-ce qu'on a de beau en photo à vous présenter Tac. Donc voilà. Là on a une vue depuis. Ah attendez. serviette Mon volet est tombé. Donc, hop, je vais reprendre, je vais juste refresh le live parce que j'ai un petit décalage. Hop, hop, hop. Donc voilà, on voit bien ici euh, le banc du Toulinguet et là le banc d'Arguin, c'est ça, hein on va regarder. Banc d'Arguin et banc du Toulinguet, voilà. On a, a pris dans le son. Donc vous voyez que la passe nord, elle va ah, ici, ici, vous avez beaucoup de bancs de sable euh, mouvant entre guillemets, des sables qui, qui, qui se déplacent au rythme des, des marées, des tempêtes, euh, et énormément de déferlantes aussi. Hein. Ça déferle pas mal. Hein. C'est quand même assez impressionnant. Et vous avez cette petite île déserte toute mignonne, dont euh, dont c'est la photo du live, la photo de présentation du live, c'est cette île là. Je vais vous la repasser juste après. Et ici, vous avez le long banc d'arguin qui est ici. Sachant que la passe sud, parce que vous me direz, mais il y a une passe sud ici, elle n'est plus balisée, donc elle n'est plus recommandée euh, pour les... de passer par là. Et euh, pour quelle raison bah, C'est parce que ici c'est magnifique, c'est tout beau, etc. Bon, j'ai vu des voiliers hein, se balader là, donc c'est que c'est faisable. Hein. Mais le problème, c'est que ici, ça a tendance à se rensabler. Et ici, ça a tendance à se rensabler. Donc il doit y avoir quand même peu de profondeur là, et on ne sait pas trop où parce que ce n'est pas balisé. Et peu de profondeur là. Donc pour les bateaux à moteur, il n'y a aucun souci. Et pour les voiliers, ben je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'avais lu que euh, il n'y avait plus qu'une passe. Voilà. J'avais lu je ne sais où. mais je l'avais lu qu'aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus qu'une passe qui est balisée. C'est ce qu'on appelait anciennement la passe nord. Mince, vous voyez rien. Désolé, je vous remonte. Euh, voilà, donc le, le, la, petite, la, la petite île du banc du Toulinguet, avec les déferlantes qui se trouvent ici, avec les bancs de sable, avec le banc d'Arguin qui est ici, et avec la passe sud qui est ici, qui longe la dune du Pila, et avec des bancs de sable qui peuvent se rensabler un petit peu ici, qui fait que c'est plus compliqué pour les voiliers d'en sortir, et c'est compliqué pour les voiliers d'en rentrer à partir de là. À vérifier avec les, les, les gens du coin. Mais euh, de ce que j'ai lu, c'était ça. Voilà. Donc pour vous, en tout cas la première fois que vous arrivez, n'hésitez pas, vous passez hop, passe nord comme ça. Il y a pas mal de portes. Hein. Il y a cinq portes qui s'enchaînent, plus après euh, trois quatre vertes, une rouge et encore une ou deux vertes. Donc euh, il y a, c'est long. Hein. C'est quand même deux heures euh, au moteur ou pas, mais en tout cas c'est deux heures. Quoi. Donc on n'est pas arrivé quoi. Quand on, quand on rentre là-dedans, dans, dans le début de la passe. Il y a encore deux petites heures de nave, quoi. Voilà, une fois là-bas, ben bah, écoutez, vous découvrez Arcachon. Arcachon, j'en parle un petit peu dans ma vidéo. Est-ce qu'on en parle en live Je vais en parler brièvement, d'accord. Je vais en parler brièvement. Euh, Arcachon, je vais vous mettre une photo d'ailleurs, illustrer mes propos. Ça, je crois que c'est Arcachon. Ça, est-ce que c'est Arcachon Ça a l'air, mais de où Je le vois pas. Hmm, je suis pas sûr là comme ça. Je doute. Attendez. Ouais, si, 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 si c'est Arcachon. Hop. Hop. Mais de où Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où a été prise cette photo. Hop. Donc voilà, Arcachon, grand, grand bassin immense. On va regarder aussi à côté Navionix. Rapidement. Euh, pour vous montrer quand même la profondeur et tout. Hop. Donc voilà. C'est tout vert. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand c'est vert, une carte comme ça Ça veut dire qu'à marée basse, il n'y a pas d'eau. Ça se découvre à marée basse, c'est ce qu'on appelle l'estran. Euh, pour, en tout cas, l'accès au port, il n'y a aucun problème, puisque vous voyez qu'une fois que vous avez fait la verte, la rouge, la dernière verte, vous avez ce qu'on appelle la rade. Alors, euh, déirak, je ne je saurais, je saurais pas trop le dire. Pardonnez-moi. Euh, qui, qui a 14 mètres de profondeur, 18, 15, 10. Donc là, il n'y a aucun souci, vous pouvez tranquillement faire vos manœuvres et, euh, et affaler vos voiles, mettre vos barbates, tout ce qu'il faut, etc. tranquillement. Euh, une fois que vous rentrez dans le port, vous avez ici euh, le petit port. Ici, il y a écrit accueil, mais ce n'est pas un ponton d'accueil. Ici, c'est réservé, si vous lisez dans le bloc marine, etc., euh, c'est réservé aux bateaux de transport. Donc, il ne faut pas se mettre sur ce ponton-là où il y a écrit accueil. Ici, vous avez le port côté sud et ici le port côté nord. Il est immense, hein, il est assez grand. Là, vous avez la capitainerie. Et vous, vous êtes en train de me dire, mais où se trouve le ponton visiteur Ben en fait, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de place visiteur. L'idée, c'est ici, vous voyez, il y a le, 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 le ponton essence. Je vous montrerai en, en long, en large, en, en, tra en, en travers dans la vidéo. Euh, euh, sur ce sujet où je fais le tour de, de, du bassin à tr en trottinette. Pour vous dire, quand même, pour ceux qui regardent le live, vous avez la station essence qui est juste ici, ponton essence, et juste là, vous avez un ponton d'attente, quoi où il y a la place pour deux trois bateaux, pas plus. Vous mettez votre bateau ici, vous vous amarrez, vous montez sur la passerelle, vous allez à la capitainerie, vous vous présentez, à savoir que la capitainerie va vous obligés de vous présenter avec euh, acte de francisation et assurance, ce qui n'est pas le cas dans les, dans, dans les autres ports, mais en tout cas, eux, ils vont vous demander les papiers, ils vont vous inscrire, et à ce moment-là, ils vous donneront une place parmi euh, tous les propriétaires qui est disponible. Voilà, et j'imagine que s'il n'y a aucune place, ils vous mettront en bout de panne, ce qui est un enfer, je pense, euh, si c'est le cas pour vous. Voilà, je vois plus les commentaires. Donc rassurez-moi que vous êtes tout, que, que c'est toujours bon, que j'ai pas fait une mauvaise manip. Euh, tac. j'ai même plus, j'ai plus rien. Hop. Hop. Ok, c'est good. Bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour l'instant, on finit notre navigation. Je suis en train de mourir de chaud. On est là, on est là. Très bien. Bah écoutez, j'ai rouvert un peu, mais du coup, je vais avoir du soleil. Ça va être horrible. Euh... Donc arrivé euh, à la capitainerie, vous vous placez au ponton d'accueil, la capitainerie va vous placer une fois que vous avez signé tous les papiers, etc etc. Signer un contrat carrément. Et euh, une fois que c'est fait, vous vous placez et là vous avez votre place. Euh... Au niveau de la navigation, au sein même du bassin, le fonctionnement du bassin. Je vais vous expliquer un peu le fonctionnement du bassin, parce que ça c'est quand même... Euh... Je l'ai compris juste avant d'y arriver. Et ça s'est vérifié une fois sur place. C'est-à-dire que c'est un endroit qui est quand même très peu euh, voilier friendly. De, 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 de par la difficulté d'accès, la difficulté de naviguer dans ces, dans ces eaux-là, de par beaucoup de choses. Donc il faut savoir qu'il y a énormément, hein, vous vous rappelez de ça, hein, vous vous rappelez de hein, les petits points blancs là. Hein. Il y a énormément, il y a une monstruosité de nombre de bateaux à moteur. Pourquoi parce que le bateau à moteur, c'est presque, c'est vraiment un microcosme, ce, ce bassin d'Arcachon. Je ne pensais pas du tout ça, je pensais vraiment que c'était une halte pour tout le monde et que euh, ça allait être un port comme tous les autres, mais pas du tout. C'est un port très différent des autres, je trouve, parce que euh, c'est que des bateaux à moteur petits, et donc ils ne vont pas sortir, parce que s'ils sortent, il euh, y a une journée de nave pour aller en bas et une journée de nave pour aller en haut. Donc, vu leur moteur et leur bateau, leur embarcation, c'est pas fait pour. Donc, ils vont rester à l'intérieur. C'est vraiment un monde qui... Il y a très peu de gens qui utilisent les passes, au final, parce que c'est tellement un enfer de rentrer et de ressortir, etc., que les gens préfèrent largement, que moi, je ferai sûrement la prochaine fois, c'est de partir de Port-Médoc et d'aller directement en Hendaye, clairement. La, la nave la plus simple, c'est, je pense, c'est d'avoir un équipage pour pouvoir faire des quarts suffisants. Partez de Port-Médoc, à marée haute, vous descendez avec le Coref, avec la, la, et vous allez jusqu'à saint jean -Andaï, quoi. En qui est euh, clairement le, le port euh, le plus grand, et clairement avec beaucoup de replis, etc. ici, quoi. Donc très simple d'accès, je pense. Attendez, mais il n'y a pas d'eau, là. Je dis ça, mais il n'y a pas d'eau. Je dis ça, mais il n'y a pas d'eau. Donc voilà. Bon, vous pouvez aussi aller à Saint-Jean-de-Luz. Ici, il y, y a des mouillages en attendant qu'il y ait de l'eau à, à En euh, Donc, donc comprenez que ce petit monde là, il vit entre eux, en fait. Il y, a il y a très peu de passages. Il y a beaucoup de bateaux à moteur. Et pourquoi Et bien en fait, si vous regardez la carte, on va regarder Google Maps. Mettre un peu plus gros. Mais si on regarde rapidement euh, la carte, on voit que. Bon, en plus des 150 milliards de bateaux mouillages, là il y a un petit port. D'accord Là, il y a un petit port. Là, il y a un petit port. Euh, là, peut-être. Euh, là, il y a un petit quai. Là, il y a un port. Là aussi. Là aussi. Et donc l'activité, c'est un vrai Venise, en fait. C'est un vrai Venise. L'activité principale des gens qui habitent à Arcachon, c'est de prendre leur petit bateau à moteur et de longer les canaux. Et vous voyez, tout, tout, est, tout est signalisé, tu vois, tout est balisé par, par justement chaque canal, chaque chenal est, est balisé pour aller gentiment bah, au petit port de Andernos, au port du BT, BTI ou BT, au port de Fontainevieille, port de Tossa port de Cassis. Donc les gens, ils vont manger là, ils repartent l'après-midi là-bas, ils font ci, ils font ça, etc. Donc c'est vraiment un monde. De bateaux, de petits bateaux à moteur qui va se balader un petit peu sur les, sur les, dans les petits ports aux alentours. Vous voyez, chaque petit voilier rose, c'est un petit port. Donc il y en a quand même un, un petit paquet. Hein. Donc voilà un peu le délire. Donc tout s'explique en fait. Mais par contre, la grosse surprise, je pense que je m'arrêterai là sur, sur Arcachon, mais la grosse surprise, c'est que partant du principe que tous ces bateaux, vous les voyez là, tous ces bateaux là. là. Eh ben ils sont c'est des bateaux qui sont pas bien grands, des, des bateaux euh, qui en pied sont pas énormes mais qui coûtent très cher parce que c'est des bateaux à moteur euh, de... voilà, qui un bateau à moteur de cette taille-là, ça ça coûte le prix de ça coûte très cher. Ça coûte très très cher ces bateaux-là par rapport à la taille, par rapport au truc parce qu'il y a les moteurs parce que si parce que ça. Et donc vous qui arrivez innocemment, avec votre petit voilier de 9 mètres, pensant innocemment que comme dans tous les autres ports d'Europe, euh, de, de, du littoral atlantique, 9 mètres, moins de 9 mètres, c'est considéré comme un petit bateau et un petit voilier. Et donc du coup, vous allez payer peu cher, ou des tarifs qui sont quand même accessibles, facilement accessibles. Et bien là, avec vos 9 mètres, ben vous passez pour le prince du Qatar. Parce que les bateaux à moteur de 9 mètres, c'est des bateaux luxueux, cabines, trucs, etc., triple moteur à l'arrière, etc., etc. Et que la plupart des bateaux à moteur les moins chers, ils vont faire, je ne sais pas, 6 mètres, 7, 5 mètres, 6 mètres, etc. Et donc l'échelle des tarifs de, du port d'Arcachon, ce n'est pas du tout la même qu'aux autres. Qui est grosso modo équivalent à peu près partout pareil. Et donc, moi qui paye à la nuitée en été euh, entre 20 et 30 euros la nuit, pour une nuit, hein, après il y a des tarifs euh, à la semaine, etc. Là, euh, j'ai eu la jolie surprise que c'était 44 euros la nuit. Donc, c'est à peu près le double de ce que vous payez ailleurs. Donc, méfiez-vous, c'est quand même euh, un truc à savoir. On ne euh, fait pas forcément gaffe à ça avant d'y arriver puisque les tarifs comme je vous ai dit étant à peu près à 10 euros près entre 20 et 30 euros euh, 30 euros c'est vraiment le plus cher de tous hein. c'est euh, de mémoire c'était euh, carnaval que j'ai payé ce prix là mais sinon c'est entre euh, 22 et 26 euros la nuit 27 allez peut-être euh, là j'ai payé 44 bon, bah, du coup euh, du coup ça vous calme du coup vous, vous demandez est-ce que vous faites des tarifs à la semaine on vous dit non donc c'est que des tarifs au mois, à un tarif, bien sûr, euh, mirobolant. Soit vous payez à la journée. Donc vous n'avez qu'une envie à partir du jour, du moment où vous arrivez dans le port, c'est de repartir au plus vite, quoi. Parce que du coup, vous, vous voyez votre compte en banque qui. Donc euh, c'est pas intéressant, quoi. C'est pas intéressant. Et Du coup, le, vous ne prenez pas plaisir à faire une belle escale d'une semaine, comme je fais partout ailleurs, où je reste un mois, une semaine, deux semaines, parce que je peux payer une semaine, deux semaines, et que euh, je ne suis pas obligé de payer chaque jour, au jour le jour, que cela, ça coûte beaucoup plus cher. Voilà, à savoir qu'on était en mai ou juin. On était soit fin mai, soit début juin, mais en tout cas, on n'était ni en juillet, ni en août, et que euh, la capitainerie d'Arcachon a comme bonne idée de commencer la période d'été, donc la haute saison, ce qui dans tous les autres ports... Dans euh, la, la plupart des autres ports, c'est juillet-août. Dans quelques ports, ça va être juin, juillet, août, septembre. Et là, c'était avril, mai, juin, juillet, août, jusqu'à fin septembre. <laughs> J'avais jamais vu ça. Il y avait six mois de haute saison. Donc six mois à 44 euros la nuit. Donc ça calme, ça calme très vite. Euh, du coup, ça, 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 voilà, je préfère vous prévenir de, de, de retour d'expérience. Euh, ne soyez pas surpris si on vous demande le double, voire plus, parce que c'est plus du double. Parce qu'au final, dans les autres ports, je vais prendre des, des tarifs à la semaine. Et du coup, c'est beaucoup plus avantageux que quelques nuits euh, au port d'Arcachon. De, de port 44 euros, c'est très cher, presque l'hôtel. Bah, surtout, ouais, c'est carrément ça. Et c'est surtout pour euh, une embarcation de, 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 mon, de, de, de cette taille, quoi. Parce que euh, 44 euros si vous avez un 36 pieds, je dis pas, tu vois, ou même euh, plus. Vers un 29 pieds, bon, râlez un peu quoi. <laughs> bon, en plus de ça, je vous la fais bref, mais il n'y a pas d'internet. Ni wifi, ni rien du tout. Le réseau, en plus, parce que vous, du coup, vous connectez en 4G, parce qu'il n'y y a pas du tout de Wi-Fi, même pas un ADSL pourri comme dans les autres ports. Là, on vous dit non, il n'y a pas Internet. Débrouillez-vous. Donc ça, c'est quand même. C'était la première fois que j'entendais ça. Et euh, du coup, vous utilisez la 4G. Sauf que vous avez toute la ville et tout le port qui utilise la 4G parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Donc, les, les, les réseaux sont au, saturés au maximum. Et donc, ouvrir une page internet devient, euh, un, devient très compliqué. Alors qu'en 4G, normalement, il euh, n'y a aucun souci. Quoi. Et bonjour, bonsoir et merci pour les encouragements. Ça fait plaisir. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas on s'interrompt je continue et je continuerai après. Là, de toute façon, on a bientôt fini cachon. Après, il nous restera la dernière nave. Euh, au niveau euh, du coup, j'étais en train de raconter les tarifs, les quoi, je disais quoi exactement. Ah oui, je parlais d'internet, donc du coup, vous n'avez pas internet. Euh, les douches, bon, j'en parlerai pas parce que je vais pas les accabler, mais les douches c'était scandaleux aussi. Euh, c'était quoi qui était hallucinant Il n'y avait pas de laverie, il n'y avait pas de laverie du tout, du port, donc il faut aller à la laverie de qui ne fait pas partie du port et qui est à l'autre côté du port. Donc à savoir, je vous le montre quand même rapidement. Mais euh, pour, que, voilà, pour que vous sachiez, moi, le but, c'est pas de vous empêcher d'y aller, mais qu'au moins si vous y alliez, d'après mes, mes conseils, euh, au moins vous êtes euh, prévenu. Parce que là, vous voyez à peu près la taille d'une voiture, hein, pour vous donner une échelle. Hein. Le port est immense. Hein. Donc déjà, vous faites de là à là, vous en avez déjà pour euh, 10 minutes. Et donc la laverie, elle est là. Et vous, on vous place ici, quoi. Donc, en gros, il faut faire 20 minutes, 20, 20 minutes, une demi-heure de marche à pied avec vos sacs sur les bras pour aller à la laverie. Donc, c'est complètement, euh, c'est très bizarre comme raisonnement. Donc, vous dites, ok, pourquoi pas Du coup, je vais demander s'ils ont pas et s'ils prêtent pas ou s'ils louent pas des vélos pour pouvoir aller à ma laverie plus facilement. On vous dit non. Donc, ça commence à faire beaucoup quand même. Il n'y a pas de laverie, il n'y a pas de prêt de vélo et ou ni de location et il n'y a pas d'internet. Donc, ça, ça, fait, ça fait quand même beaucoup. Quoi. Donc, voilà. Et puis après, le reste, voilà j'en parlerai un peu plus dans la vidéo, mais c'est euh, quand même très particulier. Quoi. On sent vraiment que c'est des gens qui vivent euh, à Arcachon même, qui sont propriétaires, même au niveau des toilettes, des douches, etc. Dites-vous qu'il n'y a qu'une. Ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Je suis obligé de vous en parler comme ça. Il n'y a pas d'autre terme. Pour tous ces bateaux-là, tout ce que vous voyez là, bon, évidemment, il y a beaucoup de propriétaires, il y a peu de visiteurs. Mais il n'y a qu'une seule douche. Et elle est là. Il n'y a qu'une seule douche. Il y a trois douches hommes et trois, et trois douches femmes pour tout le monde. Donc, bon, c'est vachement particulier. Ça, plus le fait de faire de commencer la haute saison. Euh, parce qu'encore vous dites, j'arrive dans un endroit chic, je paye cher, on est en haute saison, pourquoi pas. Mais du coup, j'ai internet, j'ai la fibre dans le bateau, euh, j'ai euh, des douches impeccables, nickel, etc. En veux tu en voilà. J'ai des laveries à portée de main, toutes nickel, propres, parfaites. Et tout et tout, j'ai des vélos à disponibilité juste pour faire le tour du port. Juste le fait que la capitainerie de là à là, il y a une demi-heure de marche à pied. Juste ça, ça justifie de prêter des vélos ou de les louer. Donc, il n'y a, a aucun service, voilà, tout simplement. Donc, j'en suis très vite parti, vous l'aurez compris. Euh, j'en suis parti au plus vite. Et là, bah, pareil, on a repris, comme je vous ai lu tout à l'heure dans le bloc marine, on part euh, une heure et demie avant la marée haute. Comme ça, le temps d'arriver, on passe pile à marée haute ici. Et on décolle. Est-ce que je vous montre quelques photos en attendant on va voir quelques photos. Qu'est-ce que j'ai de beau J'ai ça. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Bam Regardez un peu de spoil, ok C'est des photos. Euh, c'est pas de la GoPro, ça. Je crois que c'est une photo de téléphone. Donc, ça écrase moins que la GoPro. Mais là, c'est le dessus de la dune. Et encore, là, ça rend rien. Parce que là, dites-vous que vous êtes à 108 mètres au-dessus de, du niveau de l'eau. On dirait pas, hein, mais c'est 108 mètres. Hein. Vous êtes vraiment. Ça fait presque. Euh, moi, l'impression que j'ai eue, c'était d'être euh, en haut de, des montagnes au ski. Vraiment. À part que la neige, c'est du sable. Mais à part ça, vous avez vraiment l'impression d'être sur une crête en haut des montagnes. Sur les pistes. C'est très joli. Ah oui, oui, joli, joli. Regardez un peu ce beau gosse. Hop Voilà. Donc derrière, on voit le Cap Ferré qui est à droite. Le banc d'Arguin qui est le long banc. Et euh, le banc de. Du Toulinguet, la petite île. Banc du Toulinguet que l'on voyait en photo de présentation. Il yeah. est ici, tac. Petit banc du Toulinguet, tout, tout mignonné. Donc là, c'est vraiment au niveau des passes. Hein. Il y a le banc du Toulinguet de ce côté-là. Derrière moi, il y a le banc d'Arguin. Euh, par la suite, je vais vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté. C'est ça qui est assez, assez impressionnant. C'est que d'un côté, vous êtes sur cette dune énorme. D'un côté, vous avez une mer, un océan bleu, et de l'autre côté, vous avez un océan vert. Ça, j'en parle bien. Je fais une jolie vidéo là-dessus, assez poétique, où j'en parle bien de ça. Et c'est super beau. Vous voyez, on voit les reliefs et tout de la canopée. C'est assez, assez incroyable. Et merci pour les. Je suis content que ça vous plaise. Au moins, voilà, si vous allez dans ces régions-là, ben, vous avez un peu des, 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 des infos sur les endroits sympas, les endroits où il faut, où il faut être. Mieux, mieux vaut être prévenu. <laughs> mais c'est vrai que c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et surtout vu le prix. quoi enfin, Rien ne justifie rien, rien en fait. Que soit... Parce qu'en plus, là où je suis actuellement, je paye euh, 20, 20 et quelques euros. Enfin un prix normal. Euh, laverie automatique merveilleuse. Bon, elles ne font pas partie du port là aussi, mais elles sont moins loin. Euh, accueil incroyable, etc. Enfin voilà. Et puis on vous fait... Pour moins cher, vous avez 10 fois plus. Quoi. Donc ça, je ne comprends pas. Euh, donc voilà, on voit, regarder comme c'est joli. Là, on voit les gens qui descendent jusqu'au jusqu bord de la plage. Ne parlons plus d'Arcachon, c'est le passé, d'accord C'est derrière nous. On n'en parle pas, j'ai pas envie de leur taper dessus à l'infini. Mais euh, il fallait que je vous prévienne. Très, très mauvais souvenir en tout cas. Voilà, ça c'est la dune du Pila, vue de l'extérieur. Comme je vous dis, bon, vous voyez ça, vous dites c'est une grosse dune et tout. Mais de, du dessus, c'est vraiment beaucoup plus impressionnant. Bravo pour tes super vidéos, merci beaucoup. Très appréciable. Si vous avez des là si vous avez des commentaires sur justement euh, des vidéos ou quoi, si vous avez même des sujets que vous aimeriez voir plus dans des vidéos, je vous promets pas que je vais directement faire la vidéo que vous demandez, mais en tout cas ça peut m'inspirer pour mes futures vidéos, de savoir un sujet que j'ai que j'ai pas assez abordé ou trop abordé, regardez le bon... le le banc du Toulinguet avec le capitaine à la barre. Et tout ça c'est la suite je crois. Ouais tout ça c'est après. Ok. Euh, donc maintenant on va parler... On va parler, je remets le net. Tac. Et maintenant on va reparler bah, de la suite. Maintenant comment faire quand vous partez du bassin d'Arcachon bah, Vous allez voir que encore une fois, aucun port, rien. Pas de ville. Il y a, il y a Mimizan à un moment. Là, il y a Biscarrosse, Mimizan. Je vais me passer quelque chose. Ça. Des tout petits villages. Voilà, et après on arrive, on a Cap-Breton qui est ici, premier port. Deuxième port, on a l'Anglette, que j'ai appris à, à dire. Pas l'anglais, mais c'est l'Anglette, qui est ici et qu'on peut considérer comme la ville de Bayonne, hein, puisque la ville de Bayonne est ici. Après, nous avons euh, Biarritz, qui est ici. Et nous avons. Ah, c'est loin. Et Saint-Jean-de-Luz, qui est ici. Andai qui est ici. Et on arrive à la frontière espagnole, comme vous le voyez. Donc, bah, il ne reste plus grand chose. Donc c'est assez intéressant. Euh, pour la nave, bah, écoutez, pas grand chose à dire. Euh, je vous ai donné l'heure de départ précise pour partir de Arcachon. Ne vous trompez pas. On avait dit que c'était... Euh, deux heures et demie ou plus, c'est peut-être plus. Comment était la navigation, calme, courant, etc. Alors je vais en parler. La première navigation, le seul truc que j'ai à vous dire, c'était euh, cette nuit noire qui était qui peut euh, déboussoler très vite les gens. Je veux dire moi, si j'avais pas mon expérience à ce moment-là, et malgré toutes les naves de nuit que j'ai faites, j'en ai pas fait euh, non plus des centaines, mais j'en ai, j'ai quand même fait beaucoup de naves de nuit euh, entières, etc. Du coucher au lever. Euh, même moi, j'étais un peu déstabilisé, vraiment. C'était très bizarre. C'était très, très bizarre. dans c'est noir, 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 et qui vous ne voyez plus rien, mais vraiment plus rien, c'est comme si vous étiez les yeux fermés, c'est très bizarre. Donc, euh, donc voilà, moi, moi j'ai adoré, hein. c'était mon meilleur moment, j'ai apprécié, j'étais focus, je, voyais, je savais où j'allais, on était dans de l'eau, on avait, on avait tout ce qu'il fallait, il n'y avait aucun, aucun problème à l'horizon, donc, euh, donc pas, pas de soucis à avoir. Mais à des moments, vous vous dites Est-ce que je suis bien dans le bon sens <laughs> Si vous ne regardez pas le compas de route, euh, posez des questions. Quoi. Euh, et donc, je vous ai expliqué aussi que j'avais attendu euh, de 8h à 12h30, parce que j'avais anticipé l'arrivée d'une heure, euh, pour passer, euh, pour rentrer dans Arcachon. Pour en sortir, on est parti euh, on s'est réveillé à 5h du mat, et on est parti à 6h, heures, 6h, heures, je crois, un truc comme ça. Parti à 6h pour passer euh, ici à 8h. Pour sortir à 8h. Donc, on est parti très tôt avec le soleil. J'ai attendu juste que, Parce qu'à 5h, il faisait encore un peu nuit. Donc, j'ai attendu qu'il y ait l'aube qui se lève pour partir. Et euh, une fois que l'aube s'est levée et qu'on avait euh, un peu de visibilité, bah, on est parti. Et on, a, on est sorti de. Des passes sans souci. Aucun problème. Euh, et. Et après, on s'est dirigé plein sud euh, toute la journée et on est arrivé assez tôt. Oui, on est arrivé à 21h pile. Puisque arrivé. Ça, c'était assez, assez. Arrivé à, Donc, à mi Donc, c'est à mi-chemin, pile. Arrivé à hauteur de mi Cette passe me terrifie. Je leur reparlerai un petit peu après, si vous voulez. De ça. Des, des ports ici, je vais je vous vais, je vais en reparler. Euh, mais là c'est assez intéressant parce que là il est genre, euh, je sais pas, mi-journée, on est à mimisant, mi mise mi-chemin. Il devait être 15h, un truc comme ça. Et là je regarde, je fais mon check météo. Et, euh, et je me rends compte sur Windy que... Euh... Alors je ne sais pas trop comment... Mais en gros, je me rends compte sur Windy que exactement au port où on voulait aller, à 22h, il y allait avoir 47 nœuds de rafales. Sachant que la veille. Euh... Parce que j'avais pris donc le, le fichier AROM qui est très précis et qui expliquait qu'en une heure, juste pendant une heure, il y allait avoir une, le, 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 le cœur d'une dépression qui allait passer de là à là, ou même qui allait remonter, qui remontait même, et du coup, euh, qui se formait, et qui en une heure passait de là à là, et un peu détruisait tout sur le chemin. Quoi. Donc euh, moi, j'avais euh, un, un, un équipier à bord qui n'était pas forcément euh, prêt pour naviguer dans 47 nœuds. Et, euh, et du coup, il a fallu prendre un, un choix euh, de sécurité, sachant que euh, on était dans, en plus de ça dans 10 nœuds de vent, euh, 15, même pas 10 nœuds de vent, on n'arrivait pas à avancer, on était sous Génac. On avait mis le Génac, donc on avait moins de 10 nœuds de vent. Mais euh, d'un coup, ça allait passer, et c'était juste à 10 heures pile qu'on allait arriver. Et en plus de ça, ça remontait sur nous. Donc... Euh, donc on ne pouvait pas euh, l'esquiver ni même revenir en arrière, etc. Bon, bref. Du coup la seule solution c'était tout simplement d'arriver avant, que, avant, que, avant 22h. Et donc on est arrivé à 21h. Là pour des raisons de sécurité j'ai mis le moteur. Et on, a pas, on est parce qu'on a on avancé trop peu vite. Et euh, du coup on s'est fait deux belles heures de moteur euh, en trace directe vers le prochain port. Euh, pour pouvoir euh, rallier euh, le port à bon temps. Parce qu'en plus de ça, si... C'était pas qu'une question de. Parce que de base, ce qui était prévu, c'était qu'on passe la nuit en mer, vu qu'il allait avoir très peu de vent, qu'on passe la nuit en mer et que, euh, on arrive, on pouvait rentrer le lendemain à partir de 4 h du mat. Mais, dans l'idée que j'avais pas calculée parce que je pensais pas qu'on allait faire du moteur, mais techniquement, on avait jusqu'à 20h30. Non, on avait deux 20 Ouais, on avait jusqu'à 20h30 pour rentrer. On avait jusqu'à 20h30 pour rentrer. Donc l'idée c'était soit on mettait le moteur et euh, on met... on traçait direct jusqu'à ce que je fais jamais mais que là pour des raisons de sécurité, il a fallu le faire. Et on est rentré à on est rentré avant euh, de plus pouvoir rentrer parce qu'en plus de ça, on était coincé dehors parce qu'il n'y avait plus de marée après. Donc on était coincé dehors dans la tempête. Donc c'est quelque chose que je voulais éviter. Donc du coup, on a dû Malheureusement, euh, finir au moteur. Mais fort heureusement, tout s'est très bien passé. On est arrivé euh, pile à temps. Vous allez voir euh, la trace. Je crois que j'ai les traces quelque part. On est arrivé pile à temps et euh, juste après est arrivé l'orage. Et euh, donc, il n'y avait pas 47 nœuds. Le, le Windy avait été très, euh, très pessimiste sur le coup. Mais euh, on a évité un bel orage. Un bel, bel orage de chaleur. Je vais vous remettre euh, d'autres photos. Est-ce que j'ai la route Tac, bon, ça c'est le début. Sortie, assez simple. Euh, ouais, là j'imagine qu'on hisse les voiles juste là. On a hissé les voiles à la sortie du, du chenal, à la sortie de la passe, au à l'endroit de la bouée d'Auxen. Et puis après, vous voyez, on avait une belle trace. Il y a des moments, on a fait du gênacer. Il faisait beau. La mer était toute calme. Euh, donc, du coup, bah, c'était condition parfaite pour le GENAC ou le SPI asymétrique. Et euh, donc, voilà. Après, j'avais quoi d'autre comme euh, image Je voulais vous montrer la suite. Bon, quoi que ce n'est pas très intéressant. Voilà, oh bon, a longé la côte, non, il n'y a rien d'intéressant. Il a rien d'intéressant à vous montrer. Mais en tout cas, on a longé la côte, on est arrivé, et ce qui est intéressant à vous montrer, c'est ça en fait. <laughs> Attendez, c'est ce que je vais vous montrer. Ça voilà. <laughs> et après, il y a eu un... Hein, donc du coup, dès qu'on est arrivé, l'orage commence à éclater, orage de chaleur, et c'était très bizarre parce que en gros, il y avait des éclairs toutes les 0,2 secondes. C'était une. une ça comme une mitraillette de pétard, là, que vous faites exploser. C'était à peu près la même chose, c'est-à-dire que ça. Il y avait un éclair toutes les, deux secondes, toutes les microsecondes. Il y avait plus d'un éclair par seconde, en tout cas. Et euh, pas de tonnerre et des éclairs qui touchaient pas le sol, de ce que j'ai cru comprendre. En gros, c'était un peu comme si c'était de l'électricité un peu statique. Quoi. Enfin, je ne saurais pas le dire avec des mots euh, scientifiques choisis. Mais typiquement, ça, ça, ça vraiment, c'était électrifié. Les, les nuages étaient remplis d'électricité, mais à aucun moment il y avait le gros éclair qui traverse tout le ciel et qui va exploser par terre. Il fait un bruit sourd incroyable. Donc ça a resté dans le ciel et ça a duré deux heures, trois heures comme ça. c'était stromboscope C'était, on était en discothèque. Très joli à regarder de une fois que ça aurait été accroché dans le, dans le port de l'extérieur, enfin de, de, de dessous, moyen quoi. moyen chaud. Donc voilà comment ça s'est passé. Maintenant, au niveau euh, de la fin des navigations, je vais vous présenter un peu ce qui reste. Donc au niveau de Osgore, Cap Breton, euh, euh, une passe que vous voyez ici qui est très... Attendez, que vous ne voyez pas. Bah, vous ne voyez plus. Voilà, une passe ici euh, très réputée pour être euh, obligé de partir. Merci, je regarderai la rediffusion. Il n'y a pas de souci, la rediffusion est disponible dès que j'aurai coupé le live. Donc au niveau de Osgore, Cap Breton, euh, ici on a un chenal qui est très réputé par des vidéos YouTube de, de bateaux qui font du surf dans les vagues, etc. De toute façon, le coin en soi est très réputé pour les vagues, puisque c'est ici que les surfeurs vont. Quand on parle de, de ce que j'ai compris, quand on parle des plages de Biarritz, en fait, on parle plutôt de, de Santosha, qui apparemment est un peu la, un des meilleurs endroits pour surfer. Voilà. Après, j'imagine qu'on doit pouvoir... Euh, ici, on doit pouvoir bien surfer aussi. Bref. En tout cas, euh, c'est réputé. C'est un peu la mecque des vagues ici, en France. Euh, donc, c'est pas pour rien. Et euh, du coup, ici, ça peut être... Très dangereux, voilà, donc euh, méfiez-vous, renseignez-vous, regardez surtout euh, le coef, le vent, la houle, etc., etc., est-ce que euh, le, le courant est contre la houle rentrante, et tout, et tout, donc tout ça c'est important, maintenant si vous y passez euh, à l'étal, euh, à marée, euh, avec un petit coef et pas beaucoup de vent, euh, ça, ça sera... Euh... Ce sera très calme. Voilà. Mais enfin, quand je dis très calme, il y a quand même le bateau qui avance un petit peu en crabe à cet endroit-là, hein, au niveau de, de l'entrée. Vraiment entre les deux feux, là. Le bateau, il a un peu tendance à avancer en crabe. Donc méfiez-vous, pas vous faire embarquer. Euh, à savoir, petit conseil personnel euh, que le port m'avait communiqué. Euh, quand vous rentrez ici, je vais peut-être même vous mettre sur Google Maps. Quand vous rentrez ici, il faudra bien longer la digue nord. D'accord Ça c'est en bois, c'est une estacade en bois, et ça c'est une digue en, en béton. Donc il faut bien longer la digue en béton nord parce qu'ici il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de fond. Et une fois que vous arrivez ici, c'est différent, c'est-à-dire que tout ce virage-là, il est ensablé. Tout ce virage-là, c'est ensablé. Donc bon, si vous êtes à marée haute, il n'y a pas de souci, vous pouvez quand même passer. Mais si ça commence à biper dans tous les sens, à savoir que là, il va falloir bien longer en haut. Et arriver à cette hauteur-là, venir hop un petit peu plus vers la droite pour rentrer dans le, dans le port ici. Voilà. Donc euh, le chenal n'a pas été dragué depuis longtemps. Peut-être que la prochaine fois quand vous irez, il sera dragué. Donc il n'y aura peut-être plus ces problèmes-là. Mais d'ici là, en tout cas, vous appelez la Capitainerie, ils sont adorables. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, et du coup, euh, vous leur demandez si le chenal a été dragué, s'il faut toujours longer la digue nord et euh, à partir de quand euh, passer un petit peu plus sud. En tout cas, voilà, vous pouvez très bien longer la digue nord et dès que vous voyez que vous manquez un petit peu d'eau, vous tirez un petit peu la barre, ce qui vous permet de venir un petit peu ici et d'aller chercher euh, plus d'eau là. Voilà, donc ça, c'est assez important. Euh, vous voyez que ici il y a 40 cm d'eau, 30 cm d'eau, donc euh, à marée basse, c'est impossible de, 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 de sortir ou de rentrer. Ici, vous voyez les petits remous, là, donc attention. Il y a des... Ils disent quelque chose Turbulence de l'eau. Voilà. Donc là, turbulence de l'eau, ici. Euh, à savoir autre chose au niveau de la topographie des lieux, qui est quand même assez particulière. Euh, surtout au niveau des fonds marins, euh, vous voyez que, grosso modo, en France, le golfe de Gascogne, il est assez plat. Il est assez peu profond. Tu vois. Vous voyez toute cette, toute cette zone-là là, que je dessine avec la souris. Cette ligne-là, c'est à peine 200 mètres. Ou 150. C'est à peine 150 mètres. Et 200 mètres. Donc c'est rien, là il vous faut faire quand même 100 000 pour avoir que 150 mètres de profondeur. D'accord. Donc c'est vraiment énorme la distance à parcourir par rapport à la profondeur. Sauf que, vous voyez, regardez bien les lignes de fond, comment elles font. La ligne des 1000 mètres et la ligne des 1000 mètres ici aussi. Vous voyez que là, ça se rejoint. Ici. Et là, on a ce qu'on appelle le gouffre de Cap-Breton, ce qui est donc une énorme faille sous-marine qui vient jusqu'à Cap-Breton, pour le plaisir. <laughs> pour le plaisir, jusqu'à vraiment ici, quoi. On ne peut pas faire mieux. Et le port, ils l'ont mis en face. <laughs> donc, euh, donc voilà, à prendre en compte. En tout cas, si vous êtes à 12 mètres et que d'un coup, vous voyez 60 mètres décrits sur le, sur le sondeur, ce qui est assez rare, bah, ce n'est pas pour rien, c'est que vous êtes au-dessus du gouffre de cap breton voilà donc euh, prenez prenez ça en compte j'imagine que euh, dans des fortes conditions ça doit jouer ou d'une manière ou d'une autre ça doit jouer euh, voilà pour vous donner un petit exemple si on se met à toulon on fait 5000 vers le sud et on est déjà à 1000 mètres quoi et 2000 mètres en faisant uniquement 10 000 quoi en deux heures de bateau euh, vous êtes vous avez euh, 2000 mètres de profondeur assez incroyable donc ici vous voyez que euh, je ne sais combien d'heures combien on avait dit 100 100 000 100 000 c'est 24 heures de nav en 24 heures de nav vous avez que 150 mètres de profondeur donc euh, c'est assez assez incroyable sauf so, à Cap Breton où là, vous retrouvez un petit peu de profondeur où vous allez jusqu'à 100 mètres, 200 mètres, etc. Voilà, par la suite, si vous continuez, parce que euh, dans l'idée où euh, le canal du Boucaro, euh, c'est-à-dire euh, Osgore et, et Cap-Breton, est in, inempruntable, vous continuez un petit peu plus loin, vous voyez que là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il hein, y, y a vraiment. Du, du fond, c'est très droit et tout, il n'y a aucun au fond et tout, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Vous allez jusqu'à B.A. Vous venez chercher euh, le port de l'Anglette, qui, pour le coup, est dragué et a euh, 8, 8, 10 mètres de fond. 6 mètres. Enfin, il a de la profondeur. Il est dragué à je ne sais combien. Ça doit être écrit sur le bloc marine. Zone draguée, 8 mètres. Voilà. Et draga à 8,50 m, pourquoi Parce qu'il y a des cargos qui passent par là en fait, tout simplement. Donc, euh, donc du coup, il y a une énorme digue nord pour euh, briser la houle venant du nord nord-ouest. Nord et euh, et euh, il y a beaucoup plus de profondeur. Et vous voyez que le port est juste ici, avec un, port, un ponton d'accueil qui est ici. Là. Juste là. Donc c'est quand même à peu près la même chose que Cap Breton, mais en beaucoup plus large et beaucoup plus profond. On voit qu'ici, quand même, il y a des remous. Donc, à voir. On peut, on peut regarder aussi euh, qu qu'est-ce qu que nous conseille un peu euh, euh, de langue... Alors, Cap Breton. Accès de jour. L'entrée de la passe du canal de Bucaro est limitée au nord par une digue et au sud par une estacade en bois. C'est ce que je vous ai dit. Prolongée en mer sur 30 mètres par une plateforme. Euh, pour un pour un grand tirant d'eau, accéder à partir de moins de 2 heures jusqu'à plus 2 heures par rapport à la pleine mer, la passe d'entrée du boucaro est délicate par mer très agitée, ou le déferlante. Voilà. Donc faites attention. Si l'état de la mer est calme et que vous êtes à, entre pleine mer moins 2, pleine mer plus 2, logiquement il n'y a pas de souci. Sinon, peut-être aller plus loin. Euh, de l'anglette ah, ta, 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 ta. navigation distance anglette brise lame donc anglette brise lame c'est ici c'est ce que vous voyez là accès suivre le chinal du port balisé de l'Adour Venant du large, bouée d'atterrissage, Marquée BA, donc c'est celle qu'on a vue située à environ 1000 au West nord ouest donc c'est celle qu'on a vue de l'embouchure, blablabla. Bla. Digue du large, digue sud, jeté nord, tourelle carrée blanche au sommet vert. Ces deux feux sont synchronisés. Feu d'entrée, danger, attention au courant et ressac. Eh ben, c'est pas bien bien détaillé hein. je sais pas ce que vous en pensez on va regarder euh, peut-être le bloc marine ce qui nous dit euh, le l'almana est ce qu'il nous dit mieux que ça accès attention surveiller le trafic commercial donc déjà il vous parle qu'il y a des cargos Faut faire gaffe Reconnaître la bouée d'atterrissage BA à 09000 dans le nord-ouest de la puis faire route au 140 sur le musoir de la digue Jean lesbord Excusez-moi pour les noms mais... Tant que j'y suis pas allé, c'est compliqué. Donc ça doit être celle-ci, nord Hop Barre de l'Adour, hein. Barre de l'Adour. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Musoir de la G... digue Jean. Digue Jean. Impossible de trouver, eh ben. Que je l'ai sur Navionics. Je l non, j'ai rien sur Navionics. N'est d'ailleurs pas une autre. Le musoir de la digue de En venant du nord-ouest, par forte houle, entrer avec le flot ou aux étals. Donc, c'est soit on entre à marée euh, montante ou aux étals, la mer par l'arrière et chercher au plus vite l'abri de la grande digue nord. Donc, techniquement, le mieux, c'est vraiment de faire comme à, à Cap-Breton, de rentrer ici et de venir vite se cacher derrière ça quoi pour réduire au maximum les vagues. Après, pas trop près non plus. Donc, hein, méfiez-vous quand même. Du ressac, etc. Il est très dangereux de s'approcher de l'embouchure par le sud-ouest. Donc, là, là. Si vous venez ici, vous voyez, là, il y a des remous. Plage de là-bas, Ardour Sud. Donc, cette zone-là, c'est pas très bien de couper. Il vaut mieux venir ici. Si vous venez du sud, il vaut mieux aller chercher l'axe de... de ces trois feux-là. 1, 2 et 3. Et pour venir parfaitement chercher l'alignement. Voilà. S'il y a un alignement là, c'est pas pour rien. Par forte houle, entrer avec le flot aux états hein, et chercher au plus vite l'abri. Hein, il est très dangereux d'approcher l'embouchure par le sud-ouest. Ok. L'accès, 160 mètres de large, quand même pas mal, se fait en laissant à bâbord la longue jetée Jean-Lanin. Donc c'est celle-là, hein, c'est la digne nord. Hein, c'est bien celle-là. Et en passant entre les deux petites jetées, donc on parle de, des deux petites qui sont là. Feu sur tour blanche à sommet vert de 8 mètres. Devant la station des signaux et feu sur tour blanche à sommet rouge de 10 mètres. Donc là, il y a les deux. Prendre l'alignement synchrone du boucot à 0,90, plein est, sur la rive droite jusqu'à l'alignement à 100... 11,5 sur la rive gauche. Un balisage latéral permet de remonter jusqu'à l'anglette. Donc euh, voilà, après tac, verte rouge, verte rouge, verte rouge, verte rouge. Et ici on a l'entrée du port. Voilà, donc vous voyez qu'il est un petit peu plus complet, ce bouquin là. Donc euh, c'est important de intéressant de venir euh, d'avoir les deux bouquins pour pouvoir comparer l'un complète très bien l'autre, je trouve. Et des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est le bloc marine qui est plus précis que l'Almana. Donc, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Euh, par la suite, donc voilà pour l'anglette. Après, par la suite, si on veut descendre encore, on longe la côte. On a euh, Biarritz qui est là. Biarritz qui est là, qui est surprenamment... Euh, ah, pas esthétiquement dingue, on va dire, depuis, euh, depuis la mer en tout cas. La vision qu'on a, il y a beaucoup d'immeubles très hauts, très proches de l'eau, etc. Je pense que si on se balade un peu dans la vieille ville, ou euh, s'il y en a une, ou, ou qu'on voit un peu plus du côté de la terre en regardant la mer, ça doit être sûrement très joli. Mais euh, de l'extérieur, il y avait quand même beaucoup de barres d'immeubles. Il, il y en avait certains, ils étaient immondes. Et sur la plage. Je hein. crois que c'était lui qui était énorme. Maintenant, on va essayer de voir un peu. Encore, encore des trucs comme ça. Je dis pas hein, ça va, mais il y en a, ils, ils étaient vraiment gros, gros, gros. Il y avait des trucs de 30 étages à 20 mètres de la plage. Franchement quoi, heureusement qu'aujourd'hui ça se fait plus ces trucs-là. Mais il y a vraiment une époque où ils avaient aucune pitié Qu'est-ce qu qu'on fout chez les gens là Alors, euh, donc voilà. Bon, Biarritz écoutez... Ah, j'avais pas vu ça. Et là, euh, j'aime pas ce que c'est. En tout cas, bon, ça doit être quand même sympa de se balader, peut-être faire un mouillage et tout. Mais en parlant de mouillage, en parlant de mouillage, les amis, le prochain port. Après l'anglette, ça va être. Tadam! La baie de Saint-Jean-de-Luz qui m'avait fait de l'œil depuis très longtemps et que je suis allé voir et qui est très intéressante, très sympa. Ici, c'est magnifique. Vous avez de la... des, des strates de roches. C'est indescriptible tellement c'est beau. On peut le voir que de la mer en plus, l'apprécier que de la mer. Là, vous voyez, regardez. C'est beau. Là, voilà, on ne voit pas grand-chose, mais c'est super beau. Géologiquement, hyper intéressant. Et, euh, et donc, vous rentrez, je vais vous mettre sur Navionics. Vous rentrez par là, ici, face de l'ouest. Très simple. Il y a un feu vert ici qui éclaire depuis très loin. Nous, on était arrivé de nuit. Euh, donc on le voyait très loin, on a tout fait de nuit pour la première fois, il n'y avait aucun souci. Euh, hop, vous visez le, le vert, une fois que vous y êtes, vous visez là. Ici il y a deux vertes, vous ne m'éprenez pas. Sachant que ça, c'est une verte avec euh, une bande rouge, donc c'est une euh, chenal préférentielle tribord. Allez savoir pourquoi. Et euh, donc il faut rentrer ici. Et de ce que j'ai compris, tous les mouillages ici sont réservés. Et tous les mouillages au-dessus, il euh, y en a qui sont euh, occupés déjà par des bateaux qui sont peut-être plus ou moins fixes. Mais sinon, ici, 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 vous avez des bouées avec écrit passage, payant, euh, contacté VHF09, etc. Donc vous pouvez très bien arriver euh, de nuit, vous accrocher et vous régler le lendemain. Quoi. Donc un mouillage ici qui est plutôt bien protégé. Euh, nous, on avait pris une bouée qui était quand même assez rapidement après ça. Donc euh, si on a du... On peut, on peut avoir de la mer qui rentre comme ça, donc peut-être privilégier les, les, euh, les mouillages qui sont un peu plus à l'ouest, au nord-ouest, le plus possible. Attention à l'eau quand même, parce qu'il n'y a pas de l'eau partout. Euh... Et donc voilà, c'était assez incroyable pour vous, donner, euh... pour vous donner une idée. Hop. Nous sommes arrivés donc de nuit. Donc euh, j'ai dû. Euh griffer mes jambes et tout pour qu'on arrive à trouver les bouées avec les, les lampes adaptées etc arrivé de nuit on rentre on passe le truc nickel j'avais un qui faisait le copilote à la tablette pas que je m'éblouisse à regarder la tablette l'autre qui était devant à scanner avec à la... scanner l'horizon avec une grosse lampe torche très puissante donc parfait on trouve notre bouée impeccable on fait la manœuvre on s'accroche le petit crochet par la suite, je vais mettre ma super grosse amarre avec un tour mort et tout pour pas qu'on bouge. J'avais pas un pet de vent, quatre nœuds de vent. La totale, pas, pas un centimètre de vague. Trop bien. Je suis content, je fais mes petits nœuds et tout. Je coupe le moteur. Et là, et là, surprise, je coupe le moteur et j'entends. Comment dire J'entends... Le premier, la première réaction que j'ai c'est euh... j'ai l'impression que la coque est en train de cuire j'ai l'impression alors c'est très bizarre hein. je, je, je coupe le moteur et là j'entends des bruits venant de la coque mais typiquement toute la coque tu vois. et j'ai l'impression que elle est en train de cuire à petit feu quoi. donc je me raisonne je commence un peu à, à m'agiter et tout. Dans ma tête, je commence à me poser des questions d'un coup, à aller vérifier les cales, les trucs et tout. Je me raisonne et tout. Et puis ça continue. Et c'est vraiment entre, entre le bateau qui est en train de cuire à petit feu et euh, le bateau posé dans un verre de champagne, quoi. Dans, un, dans un, une, une piscine de champagne. Avec vraiment des, des, des bulles qui éclateraient en, const, constamment contre la coque. Donc vraiment très bizarre. Je me pose des questions. Euh, bon, je vérifie quand même que le bateau n'est pas en train de, de, de cuire, pour de vrai, premier degré. Donc du coup, tout va bien, je vois que le bateau est nickel et tout. Et donc je commence à éclairer la surface de l'eau en me disant, on va voir quelque chose, il y a quelque chose. Soit des bulles, soit des, des bêtes, quelque chose. Rien. Quasiment rien. Je voyais des petits trucs qui flottaient un peu, mais pas une myriade d'animaux qui pourraient créer ça. Et donc, à force de, de devoir rechercher un peu sur Internet et tout, de ce que j'en ai compris, c'était des snapping shrimps ou euh, ou euh, il y a les crevettes pistolets, mais je pense qu'il y en a deux, deux différentes parce que en gros, c'est des crevettes qui ont des pinces très fortes, très costauds, avec un système de pinces où en gros, ça va tendre, 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 et une fois que ça passe une articulation, paf, ça claque d'un coup. Et, euh, et donc, du coup, elles claquent leurs pinces. C'est des toutes petites crevettes qui claquent leurs pinces. Mais il y en avait sur toute la coque. C'était hallucinant. Et en dessous. Et pourtant, on a nagé le lendemain pour essayer de... Enfin, les... c'est même pas visible à l'œil nu. C'est très, très bizarre. Très, très bizarre. Donc, voilà. Le lendemain, il y en a un qui a plongé. Il a vu euh, des limaces, des mers euh, bleues fluo et jaunes fluo. Il a vu des... Des, des, des rochers violé, violacés. Donc euh, c'était quand même pas mal. On sent qu'on est plus trop euh, euh, dans le... Enfin, on sent qu'on commence à être dans le sud, quoi. On qu'on commence à être dans le sud, On le sent très bien d'ailleurs. Et, euh, et on n'est plus euh, dans ces... Dans, dans la vase, les algues et les, et les tourteaux, quoi. <laughs> Ça change un peu. Et euh, en tout cas, voilà, c'était vachement impressionnant. Euh, ça a duré toute la nuit jusqu'au lendemain matin. On est parti le lendemain à 15h. On entendait encore euh, les, les crevettes qui claquaient de leurs pinces. Donc, c'était vraiment très impressionnant euh, à vivre. quoi. À vivre une fois. Euh, c'est vraiment. Euh, J'aimerais je, je, plus me renseigner là-dessus, voir des vidéos, des trucs et tout, parce que c'est vraiment particulier. Le bruit que ça faisait. Quoi. Et. et, et sans interruption. quoi, Sans interruption, c'est comme si on était euh... ouais, dans un bain de... Et il n'y avait pas de bulles C'est même pas comme si c'était un vrai bain de bulles avec des petites bulles qui éclatent. Non, ça, ça claquait, ça claquait sous la coque. Trop bizarre. Trop, trop bizarre. Je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé. Euh, si euh, dans le chat ou dans les commentaires de la, de la rediff, euh, ça vous est déjà arrivé. Euh, N'hésitez pas à partager un peu euh, vos, vos connaissances sur le sujet. Les petites vidéos et tout, parce que je peux vous montrer euh, snapping shrimps euh, sur internet, mais euh... mais celles-là elles sont grosses, nous, On les voyait pas quoi. À enfin, quoi que hein.

That basic slip joint set the evolutionary stage for a further modification, the cocking slip joint. With this joint, the ridge coxal claw fully open. Building up to cocking slip joint can sink twice. The next time you go toe to toe or claw to claw. Ou oh, claw to claw. <laughs> Donc voilà. Donc euh, je ne sais pas, pour moi pour moi si c'était ce qu'on voit sur la vidéo, euh, on l'aurait vu en vrai quoi. On l'aurait vu à l'œil nu. Vu le nombre qu'il y avait. Donc peut-être que c'est d'autres espèces. Peut-être que ça c'est des espèces un peu plus euh, exotiques. Et que nous on en a d'autres. En tout cas, c'est la seule solution que j'ai trouvé de viable. Voilà, le lendemain on est reparti. On a fait nuit au mouillage. On est arrivé de nuit. On a découvert la baie de jour. C'était très intéressant. Je vais vous spoiler un petit peu si vous voulez. Hein. Voilà, typiquement c'est ça. La digue elle est là. Le mouillage il est là. Et encore, c'est pas très beau là. Mais euh, parce qu'il fait moche, mais là, vous voyez, en fait, on voit tous les débuts des Pyrénées et tout. C'est magique. C'est vraiment très joli, hein, cet endroit-là. Port de Sokoa. Euh, ici, il n'y a pas d'eau, de mémoire. Et ici, ils ne répondent pas au téléphone. Donc, euh, du coup, euh, pour l'instant, de ce que j'ai vu, il n'y a que le mouillage qui est, qui est disponible. Quoi. Par la suite, dernier port. Dernier port, bah ça va être Andai qui est ici. Et donc là, on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'eau, étrangement. Mais en tout cas, vous rentrez dans la baie du Figuier, euh, juste avant le la, la, la grosse montagne là. Vous rentrez à l'intérieur et là, c'est direct sur votre gauche hein, Andai. On va lire, on va lire ce qu'ils nous disent. Tiens. Andaille. Danger, rocher des briquets dans le nord de la pointe Saint-Anne. Ouais, c'est ça. Okay. Donc il y a ce danger-là. À bien vérifier. Bien faire le contour. Et c'est tout ce qu'ils disent. Bah Décidément, ils sont. Bloc Marine, euh, sur la fin du bouquet, ils, sont... ils ont résumé la chose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui Langue, Pays Basque. Anglais, Cibourg. Andaï, approche. Dans la baie de Fontarabie, au sud-est de Cabo Higuer, Espagne. Cabo Higuer, c'est ça Cabo c'est cap, je crois. On distingue la pointe Sainte-Anne et le château d'Abadi avec, à ses pieds, les rochers remarquables des deux jumeaux. Et les roches noires. Les roches noires, on les voit là. Les deux jumeaux, on les voit là. Accès, la baie est accessible à tout moment pour un tirant d'eau de 2 mètres. Ah ouais La baie alors. Des émissaires et des enrochements débordant Punta Roca à l'enracinement de la digue ouest espagnole. Punta roca, est-ce que c'est ça Punta roca? Punta roca, c'est où? Punta truc, Punta truc. Qu'est-ce qu'il me disait? Des émissaires et des enrochements débordant Roca à l'enracinement de la digue ouest espagnole. Oui, là. Sont signalés par une bouée tribord lumineuse à réflecteur radar. Cette digue ouest porte deux projecteurs allumés en cas de mauvaise visibilité. En amont, deux pieux marque, tri marque tribord lumineuse balisent le chenal. Ah, en amont, c'est dans ce sens-là, alors. Ah oui, en amont, c'est dans ce sens-là. OK. Pardon, pardon. En amont de la rivière. Euh... La vitesse est limitée à 3 nœuds dans le chenal par vent d'ouest. En relevant le phare de Cabo Iguerre à 06000 au 305 et l'église d'Andaï à 1,6 au 169, on trouve un bon mouillage sur fond de sable et vase par 11 à 14 mètres d'eau. À l'est du mouillage se trouve le banc rocheux Iruari. Là. Et le bon mouillage, il est là. Au sud de Cabo il existe aussi de nombreux corps morts devant Puerto de Refugio. Puerto... Beria, c'est Puerto quoi ça? Puerto de Refugio? Oula, hein. au sud de Cabo -Iguerre guerre je sais pas hein. désolé pour les noms encore en plus là c'est du l'espagnol encore pire c'est là au sud de ça ah c'est ça qui parle peut-être il existe de nombreux corps morts devant puerto de refugios bon, ça doit être ça ça doit être ça voilà et eh ben écoutez maintenant je vais reprendre euh... Je vais reprendre ça. Écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, cette petite vidéo. En tout cas, regardez. Aujourd'hui, en c'est la dernière page. On a fini le bouquin. On a fini deux bouquins d'un coup. De anglais de anglais à andai Andai et zoom on n'est pas les zoom encore et guitaria mais ça c'est en espagne ah, il ya des petits ports espagnols quand même dessus quelques-uns mais en tout cas voilà andai dernière page et ça ça fait plaisir parce que ce bouquin là on a quand même euh... d'une on l'a quand même bien bien fait alors évidemment on commence que à partir de là reste donc on commence qu'à partir de la page 650 où ça on a fait le conquet on a fait la bertruc on a fait la berwack voilà 648 à à 897 on en avait tout ça et en plus de ça dans tout ça c'est quand même pour moi une vraie, un vrai accomplissement. Dans tout ça, euh, bon, on s'est quasiment arrêté partout au final. C'est même pas comme si on avait juste fait de la distance et juste fait 2-3 euh, ports principaux. C'est que vous avez des vidéos sur quasiment tous les ports de, ce, de ces pages-là. Ou un live. Bon, quand j'ai pas pu faire de vidéo, typiquement à la Bretagne, je vous en ai fait aussi un long live. Donc voilà, je trouve que bah, je, suis, je suis très content de moi, très content de Saori. Content d'avoir fini ces bouquins-là. Euh, maintenant, on va devoir attaquer le Rids qui est derrière. Où là, il y a toute l'Europe. Voilà, bah, écoutez, euh, moi sur ce, je vais lire euh, un petit peu euh, vos commentaires. On va parler un petit peu peut-être de, euh, bah, de l'événement d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils sont partis quand même euh, quelques imokas à la course vers l'Arctique. Donc, ça peut être intéressant. Je vais passer un petit peu le, le trailer. Et, et n'hésitez pas, si vous avez un peu des, des questions maintenant sur tout ce qu'on a vu, mais surtout sur autre chose, sur la vie, à bord, euh, etc. On peut très bien euh, en discuter un petit peu faire une petite FAQ avant de, avant de se quitter. Hop Allez, je vous mets le trailer. 25 skippers au départ de la Vendée Arctique ont largué les amarres. Ils sont prêts à en découdre dans la baie des sables de... C'est pas la bonne vidéo. <laughs> je vous ai mis le live en direct alors que c'était. Euh... Moi je voulais le trailer. Bah. Vendée arctique.

C'est une heure avant que je prenne le live, hein, le, le départ. Je vais regarder. est bien blanche ce matin. Il y a 45 de vent. Ça part bien dans les vagues. Pourquoi faire avec une dans 15 secondes On est à l'attaque. Il y a villes qui défilent. Je ne la joue pas, hyper safe, mais hop. quoi. Il y a une ambiance de fin du monde ici. Mais attendez, mais ils montent le parcours? Pourri leur vidéo. Non, pourri leur vidéo. Ils montent même pas le parcours. C'est là que je voulais vous montrer à la base. Voilà. Ça part des sables d'Olonne, ça passe. Euh... Ça passe vers Wesson, le DST, le Ratsin. Ça doit passer à l'extérieur de Saint. Ici, c'est le Fastnet avec Baltimore, en Irlande. Ça va faire le tour de l'Islande. Ça passe le 66 degrés nord. Sachant que moi, je suis allé jusqu'à 50 degrés nord avec mon bateau, avec Saori. J'ai le screenshot. Là, il y a une bouée fictive, j'imagine, une saison. Et après, ça rentre à la maison. 3500 000 nautiques. Bon, c'est intéressant, c'est une course que... ils n'ont jamais. C'est la première euh, édition, si j'ai je... si bien suivi. Euh, ils vont dans un endroit où ils sont sont peut-être jamais allés. Euh... Ils ne sont même pas entraînés une seule fois pour aller là-bas. Donc, c'est vraiment. Euh... De ce que j'ai compris, les bateaux ils y vont pour la première fois. Donc bon, après ils ont fait euh, il y a quand même le Fastnet, ils y sont allés plein de fois, ils connaissent, mais là ils vont pousser après le Fastnet jusqu'à jusqu'à l'Islande quand même, hein. c'est pas rien. C'est pas rien. Qu'est-ce qu'ils ont comme météo On va regarder Rapidos. Mais du coup, voilà, course qualificative, j'imagine, pour le Vendée Globe. Euh, la Bermude Mill Race est passée, j'ai l'impression, puisqu'ils en parlaient. Donc, Bermude Mill Race a déjà été fait. Et, euh... Et du coup, maintenant, c'est celle-ci. Après, il y aura la Route du Rhum aussi, qui va être une course qualificative. Eh ben. Et on se tapait du prêt là, ils sont fous le près. En tout cas, il y a eu le départ tout à l'heure, ça s'est très bien passé. Personne n'a mordu, personne n'est rentré dans personne. Voilà, et il parlait justement de cette accalmie. rarement été aussi calme ici. What the fuck? Donc, ils parlaient de comment ils allaient gérer un peu cette, euh, ce passage-là. Et que c'est comme d'hab, hein, c'est le premier qui en ressort, hein, qui, est, qui a une bonne longueur d'avance, typiquement. Mais après, le premier qui rentre, bah, il voit tous les autres arriver derrière. Hein. C'est comme, euh, comme le poteau noir au vent des globes. Bah, c'est à peu près le même, la même chose. Donc, passer une, un truc comme ça. Voilà. Et après, qu'est-ce que ça dit ah, Moi j'ai peur de ça moi c'est ça qui me fait peur pour eux <laughs> parce que ça bon c'est imoca hein mais des fois c'est violent quoi voilà bon, ça a l'air ça a l'air d'aller hein pour eux ça, tout dépend hein, comme ils ont dit quand même que ça allait durer euh... que là s'ils se font cueillir là dedans là maintenant ici ça va encore. Ça va encore, mais écoutez à suivre, hein. à une affaire à suivre, je pense que ça peut être intéressant de, de suivre cette aventure, de toute façon, c'est que des gens qu'on a déjà vu au, au Vendée vent des globes précédents. J'y crois pas avoir vu trop de nouvelles têtes, pas tout regarder non plus. Mais il y a beaucoup de têtes d'anciennes têtes du précédent vent des globes qu'on retrouvera sûrement au suivant. Donc, euh, donc voilà, ça va être intéressant. Rappelez-vous, le précédent Vendée Globe, il y avait pas mal de nouvelles têtes. Il y en avait beaucoup. Il y en a qui se sont vraiment fait des noms. Hein. On pense à, à Damien Seguin. Non, pas Damien Seguin Oui, Damien Seguin, ouais, je crois. Incroyable. Puis euh, Les filles, puis euh, Pipe R, etc., etc. On avait vraiment des, des, des nouvelles têtes qui faisaient plaisir à voir. Et, euh, et là, je pense que le prochain Vendée Globe, ça sera à peu près les mêmes que la dernière fois. À surveiller. Il y aura sûrement peut-être une nouvelle tête ou deux, mais pas tant que ça. Voilà, bah écoutez, c'est comme ça qu'on finit cette page de, du littoral atlantique français. Aujourd'hui, euh, aujourd je vous en ai déjà parlé, mais là, je me prépare à passer mon Ocean Master. Il va donc me faire faire 600 000 à 3 sur Saori, à bord de Saori, en faisant de la navigation astronomique. On va devoir apprendre à naviguer et à, se, et à se repérer avec les étoiles, avec le Soleil notamment. Donc ça va être très intéressant. Euh, ça risque de me porter assez loin. Euh, je vous reprends une vidéo de là où j'en suis euh, au bout de dans 600 000, voire plus, parce qu'on risque de faire plus que 600 000 du coup. Euh, et donc du coup, je vous tiendrai un peu au courant, peut-être dans un nouveau horizon. On verra. J'espère que j'aurai plein de belles... Euh, plein de nouvelles intéressantes à vous raconter. De toute façon, d'ici là, il y, y a des vidéos qui vont être postées sur la chaîne, quoi qu'il arrive. On a des super sympas, super belles en plus, au niveau, euh, au niveau qualité d'image. Hein, C'était une saison qui, est quand même, euh, qui permet de faire des belles, des belles images. Euh, voilà. <laughs> Écoutez, après, bon, euh, j'aurais peut-être espéré qu'il y ait un peu plus de de questions dans le chat. Maintenant, euh, si, euh, si vous n'en avez pas, c'est que tout est bien expliqué, j'imagine. Mais euh, l'occasion pourra être faite. Si, euh, si vous avez envie un jour qu'on fasse un live spécifique euh, FAQ où, on, où je prends juste le temps de répondre à vos questions, ça peut être intéressant aussi. Voilà, maintenant, euh, beaucoup, beaucoup de messages de, sur, sur mes vidéos, que vous appréciez mes vidéos et tout, il y a eu dans le chat, donc euh, je vous remercie grandement. Euh, je vous remercie aussi à tous ceux que j'ai pu rencontrer. Je vous en ai... Des fois, j'ai envie de, 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 de parler une demi-heure de ces rencontres, tellement, euh, tellement c'était agréable et, euh, et enrichissant pour moi. Mais bon, euh, je ne vais, vais pas trop m'étaler non plus. Donc euh, écoutez, moi, je pense que je vais. Euh, on, va, on va se laisser là pour l'instant. Euh, dans la semaine arrivent les, les prochaines vidéos, donc vous allez vous régaler, quoi qu'il arrive. Et puis, je vous tiendrai forcément au courant, que ce soit pour euh, Saori et toutes les nouveautés qui vont être installées à bord. Et pour moi, où je serai dans 600 000, peut-être que je vous ferai des vidéos entre-temps. On verra. On verra, mais en tout cas, ce sera pas... Ce sera peut-être pas des vidéos en solitaire, euh, pédagogiques et tout, comme, comme j'ai fait d'habitude. Il y en aura par la suite. Mais pour l'instant, euh, on va plutôt voyager. On va plutôt faire des milles. Et moi, je vais acquérir encore beaucoup d'expérience, naviguer dans des eaux inconnues, euh, donc c'est toujours, euh, toujours très enrichissant pour un marin de, de dépasser un petit peu ses, ses, ses frontières. Un grand merci à toi, ben merci, merci à vous de m'avoir suivi. Euh, J'espère que les les navigations, les explications de navigation ont été intéressantes. Je pense qu'à à picorer, à piocher, voilà. vous savez que maintenant que... Euh, C'était Cap-Ferret, non, ce n'était pas Cap-Ferret. Que plage de la Coubre, il y a une énorme antenne. Inratable. Euh, vous savez que euh, vous savez quand rentrer et quand sortir du bassin d'Arcachon. Vous savez euh, le, que vous allez vous faire euh, avoir, vous payer très cher au bassin d'Arcachon. Vous savez que euh, <coughs> ben, préparation un peu de nave de voir les bouées d'ocène comment faire, comment rentrer, le chenal de Osgor, on en a parlé, le mouillage de Saint-Jean-de-Luz. Handaï. Voilà, donc maintenant, vous pouvez quand même naviguer de Handaï jusqu'à Brest. Euh... Bon, pas, un... pas uniquement en regardant mes vidéos, encore une fois, mais, euh... mais vous pouvez vous en inspirer pour préparer vos navigations. Le but, c'est vraiment que le mieux, c'est que vous prépariez votre navigation d'un côté. Vous regardez à peu près la vidéo en conséquence là-dessus, sur ce que moi j'ai préparé, ce qui n'est pas parfait. Hein. Il y a encore... On peut toujours faire mieux en préparation de navigation. Je vous assure qu'en voit les préparations qu'on a fait pour yachtmaster, les détails qu'on a dû donner et la précision de chaque truc, je peux vous assurer que mes petites préparations de navigation, elles font rire tout le monde là à côté de ça. Et pourtant, c'est quand même déjà bien plus poussé que ce que la plupart des gens se font quoi. Donc, je pense que c'est le minimum. Moi, c'est ce qui me permet de naviguer tranquillement. Par la suite, si je devais faire un vrai passage plane, comme on appelle ça, avec une grosse navigation et tout. Euh, là, on va préparer ça di différemment aussi. Hein. C'est comme quand j'ai traversé la Manche, la navigation n'était pas la même. Mais pourtant, il n'y avait que 100 000. Hein. Ce n'est pas énorme. Voilà, bah merci pour tout. Merci de m'avoir suivi. Merci pour Saori également. Euh, elle se porte à merveille et, euh, et elle est euh, très contente de, de vous partager un peu tout ça. Les plantes euh, tiennent le coup. L'instant <laughs> la, la verdure tient le coup, donc euh, voilà. Et puis les beaux jours arrivent, enfin, les beaux jours sont là maintenant, donc il n'y a plus qu'à en profiter. Pour ceux qui ont raté le début, vous avez la rediffusion qui va s'apparaître dès dans, dans quelques quelques instants, dès que j'aurai coupé le live. Et puis euh, pour les autres, euh, n'hésitez pas. Oui, c'est ça, ça nous permet de bien nous préparer, de bien visualiser l'arrêt Merci encore, ça ouais, c'est sûr. Et euh, au niveau de justement des ports. Euh, je, je, je vais, je dois toujours faire cette... Euh... Vous savez que sur ma chaîne, si vous allez... Ah, D'ailleurs, j'ai deux trucs à vous dire. Donc déjà, on va commencer par ça. Euh, à propos de ma chaîne. Euh, première chose, le guide des ports de France, vous savez, vous allez sur... Euh... Tac. Euh, vous allez sur ma chaîne, vous allez dans playlists. Là, vous avez... Normalement, toutes les vidéos. Et vous avez une qui s'appelle. Vous voyez, c'est pas simple quand même. Euh... Une qui s'appelle Guide des ports de France en Atlantique. J'ai raté. Celle-ci. Donc, celle-ci, vous avez euh, depuis à chaque fois euh, tous les ports que j'ai fait un maximum en tout cas, où vous avez un appareillage, un accostage, présentation du port, présentation des alentours, etc. etc. Donc là-dedans, euh, dites-vous que euh, ça vous donne beaucoup, beaucoup d'informations. Vous me voyez rentrer dans le port, vous me voyez euh, pour, pour certains à l'extérieur du port en train d'expliquer justement le grutage, le... la cale technique, etc. Bon, ça, vous en avez déjà vu pas mal. Et à savoir que depuis le début, j'ai un petit bloc-notes euh, sur lequel je note. J'ai une petite note. Euh, Est-ce que je peux vous montrer Non, je ne peux pas trop vous montrer. Mais euh, j'ai un petit, un, petit, un, petit, un petit fichier dans mon ordinateur sur lequel je rentre. À chaque fois, dès que je vais dans une capitainerie, je rentre euh, des petites notations personnelles, on va dire. Euh, bureau dans les sahoris. voilà, capitainerie de France. Donc là, j'en ai 17 pour l'instant, des capitaineries, euh, de l'Orient à... à Arcachon et plus. Et donc dessus, vous allez avoir quoi Donc ça, ça va être des petits liens qui vont être euh, en dessous de chaque vidéo du coup. Euh, euh, découverte du port, guide des ports de France, en dessous, dans la description. Ce n'est pas encore fait, mais vous allez avoir un lien, un Google Doc, tout simple. Vous cliquez dessus. Et donc, dessus, vous allez avoir une liste de tous les ports de France que j'ai fait. Et dessus, vous avez quoi Vous avez une photo de la capitainerie, une photo des toilettes, une photo des douches, une photo du bac lavabo. Une photo de enfin un screenshot d'un de moi qui me connecte sur le réseau wifi du port et qui fait un speed test pour ceux qui connaissent. Donc en gros, je, je calcule la, la, la qualité du, du euh... bah tiens. Typiquement, bah, on montrer, je vais vous montrer quelques-unes. Euh, typiquement, si je vais là. Ça, ça va être bien utile pour vous aussi, donc euh, n'hésitez pas. Voilà, donc là, typiquement, paf. Ah, bah, c'est pas droit. What oh, the fuck. J'ai des toilettes. J'ai une douche. Pourquoi c'est pas droit J'ai une douche, donc on voit si euh, les carreaux, ils sont pleins de moisis ou si au contraire, c'est plutôt propre. On voit la qualité un peu de, de chaque truc. Euh, on voit euh, les bacs de doux, les bacs de. Est-ce qu'il y a des bacs ou pas pour faire la vaisselle Si oui, dans quel, quel, dans quel état ils sont Donc, j'ai jamais pris euh, de photos dégueulasses d'endroits insalubres, etc. Le but, c'est pas de, 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 de pourrir les, les capitaineries, etc. Mais c'est que vous puissiez avoir un petit aperçu, quand même, de est-ce que c'est propre ou est-ce que euh, c'est moyen, quoi. Euh, par la suite, vous allez avoir ben, l'extérieur, par exemple. Une photo de la capite. Typiquement comme ça. Euh, une photo avec euh, s'il y a des vélos. Si oui, où. Et euh, capitainerie de France, si je prends celui-là. Un autre port. Voilà. Et un speed test dans ce style-là qui vous donnera que je vais recadrer, etc. Mais qui vous donnera en gros euh, le, la qualité d'Internet dans chaque port. Donc au moins vous pouvez savoir si dans ce port-là, bah là vous voyez 0,19 Mbps en download, bon bah vous savez que vous pouvez à peine ouvrir une page Internet pour avoir la météo, limite. voilà Donc ça peut être intéressant. Et en plus de ça, euh, j'ai fait moi-même une petite notation. Euh, typiquement, j'ai noté sur 5 points la qualité de l'accueil, en gros la, la, ouais, la, la gentillesse du personnel. Sur 6 points la propreté, typiquement des, des toilettes. Sur 3 points internet, la qualité d'internet. Après, je rajoute 1 point s'ils prêtent des vélos, 0,5 s'ils en louent. 1 point s'il y a des zodiacs qui euh, parcourent le port pour placer les gens. Un point si les pontons sécurisés, sont sécurisés. Attention, je ne parle pas des pontons visiteurs qui sont la plupart du temps non sécurisés. Euh, un point s'il y a une laverie. Un point s'il y a des accès à des restaurants et commerces proches. Et un point s'ils si ont des chariots pour transporter les voiles. Donc, au moins, euh, dans, vous allez avoir la liste de tous les ports et vous pouvez voir bah, si euh, s'il y a zéro en accès restaurant et commerce, bah, vous savez que pour aller faire les courses, ça va être compliqué. Et pour aller au restaurant, ça va être compliqué. Voilà. Si vous avez un euh, en vélo, bon, bah, vous savez qu'ils vont vous prêter des vélos sur place et que vous allez pouvoir vous balader avec les vélos. Si vous avez 3 sur 3 en Internet, bon, bah, c'est que vous pouvez regarder vos vidéos en 1080p sans souci. Si vous avez 6 sur 6 en propreté, bon bah là, c'est que le port est assez exceptionnel et que du coup, ça vaut le coup d'y aller. Je vais juste recharger ça avant que ça peut plus de batterie. Donc voilà, en vrai, c'est quand même un travail de longue haleine. Hein. Ça m'a demandé quand même d'aller dans chaque port, de me renseigner dans chaque port s'ils avaient tel ou tel euh, truc. Vous voyez, typiquement, s'ils ont euh, euh, parcourir, là, voilà, vous voyez les chariots. Petits chariots, au moins vous les situez, vous voyez où c'est et tout. Et donc toutes les commodités de, des ports sont écrites et décrites dans, 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 dans ce truc-là. Sachant que bon, vous pouvez en trouver hein, sur le bloc marine et tout, mais euh, tout n'est pas expliqué. Typiquement, les laveries, les locations de vélos, c'est rare que ce soit écrit dans le, dans le bloc marine. As-tu déjà testé des dériveurs intégrales Si oui, tu en penses quoi niveau perf Moi, vous savez, je suis un croisiériste. Et les perf je, je pars du principe qu'il y a tellement de travail à faire. Sur les connaissances du capitaine, avant de parler de carène et de bateau et de tout ça, que, euh, que, que niveau performance, je préfère même pas, ça m'intéresse même pas tellement les gens parlent de performance alors qu'ils ne savent, savent pas bien faire leurs réglages et leur équilibre de bateau, etc. etc. Donc, euh, dériveur intégral, je vais regarder quand même Est ce que tu entends par ça. Des riveurs lestés et intégraux habitables peuvent accéder à des... Ils peuvent s'échouer facilement, blablabla. blablabla. Oui, des riveurs lestés. Écoute, moi, mon point de vue, il est très simple. Et c'est que mon point de vue. Parce que déjà, comme tu, comme tu me demandes, j'ai jamais essayé. Et du coup, niveau perf, je n'ai pas la réponse à ta question. Maintenant, niveau utilité. D'accord